Et bonjour à tous et à tous, amis et amis des nanars. Bienvenue ici. Je suis accompagné non pas de 4, non pas de 3, mais bien de 2 pour ce soir, amis, pour les nanars que vous connaissez. Donc Erwan. Salut, salut. C'est vrai qu'on est au nombre de 3 ou de 2 suivant ton ordre de calcul qui est un peu bizarre. Ouais. Et Zach. Salut, salut. Alors pourquoi est-ce que notre compère Rémi n'est pas là? Eh bien parce que Il a nous pété un avons plomb. exactement et nous sommes allés le chercher. Nous sommes descendus dans la rue et nous avons abattu le dictateur de ce podcast. Et Ça nous y est. sommes maintenant libres. Sa statue place de la mairie est abattue, donc Tout effectivement à le fait. despote est fini, quoi. C'est une république désormais Tout à démocratique fait. qui est en place. Nous votons tout, mais c'est un gros problème car nous sommes que trois, donc voilà, on n'arrive jamais d'accord. C'est ça. Pour cet épisode un peu spécial, on s'est dit qu'on allait prendre. Enfin, on s'est dit, c'est Erwan qui a choisi le film et il vous a gâté car il vous a pris un monument du nanar de science-fiction. Il voulait absolument prendre de la science-fiction. Et quel n'est pas donc le plus grand représentant, ou un des plus dignes en tout cas, du nanar de science-fiction que Battlefield Earth, deux points, ouvrez les guillemets, Terre, virgule, champ de bataille. Vous vous dites, c'est la même chose, et en effet, que ce soit en anglais ou en français, le titre est doublé, donc c'est Eh formidable. oui, c'est vraiment l'un des films de tous les records dans sa propre catégorie, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Non, mais c'est bien parce que ça fait doublon avec ce qui peut se passer dans le film aussi, donc on est sur la thématique. Mais Yes. ce film, donc avec John Travolta en guise de star, et bien d'autres acteurs, voilà. Dont la carrière était déjà sur le... Voilà quoi. Disons que le fi... Disons qu'ils n'avaient pas besoin de ce film-là dans leur carrière. Tout à fait. Et ce casting donc important a été réuni pour faire un film, mais sur étrangement, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Eh bien, j'aimerais que tu nous en dises plus, s'il te plaît, Erwan. Alors déjà, enfin, je vais faire partir du principe qu'effectivement, j'en ai parlé au dernier épisode, je voulais faire un film de science-fiction, car je suis un grand fan de science-fiction. Et je me suis dit, tiens, il y a un film de science-fiction, et si on mélangeait la scientologie avec, parce que dans un sens, c'est de la science-fiction. Un peu tes deux grandes passions au final, quoi. Voilà. Et là, tu tombes sur quand même Battlefield Earth, qui est quand même réalisé par le créateur de la scientologie, hein. Littéralement, Ron, j'ai oublié ton nom de famille, mais tout le monde s'en L. fout. Ron Hubbard. Ron Hubbard, voilà. Yes. Et ce cher John Travolta en tant qu'acteur principal et en tant qu'un des membres principaux de la Scientologie. Donc déjà, on part sur un bon principe assez important de scientologue qui est incroyable. Et surtout, effectivement, ce film est tiré du fameux roman de Ron Hubbard qui s'appelle ben, La Terre brûlée ou Champ de bataille, où on s'en bat les couilles. Terre brûlée, au vent, Voilà. Tu connais maintenant tu, en en, terre, tu es donc virgule, en champ train de quand même d'en train bataille. de dire que la scientologie est donc de la science-fiction, c'est ça, c'est bien ça, pour être sûr Bah que nos oui. auditeurs aient bien entendu. La scientologie est Exactement. une science-fiction. Voilà, Et bah, croire, très bien. Bah, dans un sens basique, voilà. où quand tu crois sur des faits qui vont se passer dans 1000 ans, parce qu'effectivement, d'après le film, ça se passe en 3000 et l'être humain a été quasiment éradiqué, c'est Oui. carrément un speech de science-fiction. Bon, Voilà, c'est alors, ça. est-ce que tu as une petite histoire derrière ça, des petites anecdotes croustillantes Ah, les petites anecdotes croustillantes que ce, enfin, qu'ils ont bien galéré à trouver des fonds pour tourner ce film. Parce que bon, tu mets John Travolta qui est copain avec les trois quarts d'Hollywood, ils ont eu du mal à trouver, je crois qu'il a coûté 73 millions de dollars. Alors, ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il t'a coûté 20 millions de dollars en communication et que ce film a Wow. juste rapporté 29 millions de dollars. Ah oui, donc à Donc, peine le budget com, quoi. c'est ça. On a remboursé le budget com, mais le budget film, faut pas trop en faire. C'est compliqué. Moi, je trouve ça Oui. quand même étonnant ce chiffre parce que la scientologie, c'est quand même un gros machin. Et ce Bah, c'est truc-là, ce il est que j'allais sorti en dire, quoi. 2000, et en Ah. 2000, c'était déjà bien installé, quoi. Ah, Ah oui, c'était non, mais le pic. totalement. C'est à peu près à cette période-là qu'il y a eu le fameux épisode de South Park qui est sorti, qui se foutait de la gueule des scientologues, là. Ouais, on avait C'est. Tom Cruise qui était à donf et tout.
Donc, Bah ouais. enfin, je sais pas, je trouve ça étonnant. Ça m'étonne qu'ils aient pas appelé leurs fidèles à aller voir le film 15 fois, tu vois. Ouais, un truc comme ça, quoi. Ah bah c'est le service Ouais. com qui a merdé pour le coup, alors. Ouais, bon. Bon, après, bon, on peut se dire qu'il a été nommé quand même dans plein de catégories aux Razzie Awards. Ça a quand même fait Oui. parler du film. Ah oui, il a même eu un record dans ce domaine-là. Hein. Je crois que c'est 9 Razzie d'ailleurs sur cette Yes, attente. c'était 9 Razzie Awards et en 2012 c'était le film qui a eu le plus de nominations aux Razzie depuis l'existence des Razzie. C'est ça. Et bon, tu dis que tout le monde a pris cher dans les Razzies, hein, que ce soit le réal, les acteurs, le second rôle masculin, le second rôle féminin. Parce que j'avais oublié que dans ce film-là, effectivement, il y avait des rôles féminins. Parce qu'ils sont C'est vrai. tellement mis en avant Bah que c'est voilà, vrai, on hein, les c'est oublie. dans le meilleur des cas, Difficile c'est de les la femme dans le rater. frigo, quoi. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le Razzie du meilleur cadrage. Ah, ça, vous comprendrez vite pourquoi, Voilà, ouais, très très vite, au bout Oh, de, je pense, 2 minutes d'introduction du film. c'est là où je me dis que le format podcast, il est un peu limité pour parler de ces films, parce que vraiment, si on pouvait mettre des extraits, vous le comprendriez tout de suite, quoi. Non, je pense pas, justement, ça permettra aux autres de découvrir, de garder un peu un fond de surprise, quoi. Ah Non, puis bah... ça permet de visualiser, tu vois, nous on va être très Ah bah va falloir très ouvrir vos imagé. chakras parce que vous êtes de toute façon loin de la réalité. Parce que là on est carrément sur des plans proches du 90 degrés sur le Oui, côté, vous quoi. vous doutez bien qu'un film sur la scientologie a certains penchants spéciaux, quoi. Alors, ni à gauche ni à droite, ils font les deux. C'est ça qui est C'est ça. incroyable. Bah, c'est de l'art total en fait. C'est le cadrage au service du propos. C'est beau quelque part. Ah ouais, tout à fait. On est prêt, on se lance dans le vif du sujet, comme on dit, Pascal? Lançons-nous, lançons-nous. Bon, Lançons-nous. d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Par quoi on commence? Moi, je trouve qu'il y a une introduction qui est plutôt pas mal dans celui-là. C'est-à-dire que c'est des hommes, on va dire, ça démarre sur un texte, déjà. C'est un film Oui. qui démarre par du texte. Voilà. Yes. C'est étrange, ça rappelle un Dans une truc. lointaine galaxie, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un peu le Star Trek. Bon alors je me rappelle plus de ce qu'il dit dedans, mais à part que Bah l'humanité en des fait, druides, c'est il ça, il reste quasiment plus fait. rien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il met en place le contexte du film, à savoir que l'homme sur Terre est une espèce menacée, suite à justement une guerre intergalactique ou je sais pas quoi, enfin, une invasion alien et tout le bazar. Bah après, voilà, quand tu sais que le film, c'est l'adaptation d'un roman lui-même en trois parties. Et chaque partie est subdivisée en plusieurs parties. En gros, t'as 32 parties à adapter. Et Ce le qui aurait pu film. faire 32 films. Bah, en fait, le film adapte la partie 1 jusqu'à la partie 12. Ouais, parce Donc, qu'à la base, voilà. c'était prévu pour une trilogie, donc. Exactement, la toute fin du film avec l'alien emprisonné, etc. Bref, ça, c'est la fin de la partie 12. Donc, en Comment fait, ils tu avaient pas le temps. Ils spoil? avaient pas. Petit Ah, bah, voilà, on flicage. va y venir, on va y venir. Ils n'avaient pas le temps, en gros, d'adapter correctement la partie 1, et même dans les 12 parties, il y a des trucs qui ont été plus ou moins Moi, je squeezés, trouve et que c'est donc, une en adaptation très gros... correcte, hein. Je vois pas pourquoi tu dis ça. T'as D'un raison, t'as film raison. très bien écrit. Et tu sais quoi? J'ai même envie de dire que c'est la meilleure adaptation existante à ce jour. Prouvez-moi le contraire, Ouais, c'est ça. C'est allez-y. C'est comme. la seule. C'est ça. C'est comme Bah oui, c'est la mon père qui seule. dit t'es mon fils préféré, tu vois. Vu que je suis fils unique, c'est sûr, c'est facile pour lui, quoi. Voilà. Oui, donc le film démarre donc par ce joli texte qui nous dit que c'est globalement la merde. Et il y a. On démarre donc dans une tribu d'hommes tribaux. Voilà. Pas mal, hein. Tout à fait. Du Habillés, futur. cependant, du futur. Voilà, des clodos du futur, Ils faut ont préciser. des chevaux, ils ont une belle palissade en bois et ils vivent dans une carrière, vraisemblablement, C'est ça. avec leurs habits en peau de bête et leurs colliers en dents de mouton. Tout à fait. Yes. C'est une belle représentation de l'homme préhistorique. Pardon, de l'homme du futur. Bah ouais, ça fait moyen rêver le futur hein, avec ce film quand même. Oui. Donc c'est là. Ah oui, c'est là où on commence quand même sur l'introduction d'un conflit entre un vieux qui parle tout ce qui fait un monologue d'ailleurs. Alors vu qu'en plus on est malsain, on l'a regardé en français. Et donc moi, si vous voulez, la voix française de vieux monsieur m'a fait penser à la voix de Monsieur Krabs dans Bob l'éponge. Donc Oui. déjà, ça J'aime met un niveau. l'argent, mon petit bob. Alors c'est quand même la VFQ, hein.
Ah, on le sentira après sur certains mots, certains noms, notamment quand Ouais, par exemple. Alors c'est toujours ce qui est bien, c'est que comme c'est les Québécois qui doublent, bon, globalement que ce soit des films de merde ou des gros films à gros budget, c'est toujours les mêmes doubleurs. Donc là, vous serez pas dépaysés. Mais notamment quand le personnage de John Travolta justement appelle son second, donc Forest Whitaker, Kerr, il fait Kerr! Kerr, viens donc ici, tu vois. Donc Parce bref. que ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le truc caractéristique de ces VF pourraves où en gros la prononciation à l'anglaise ils l'ont gardé. Sans parler, voilà, le jeu qui est pas terrible, enfin voilà quoi. On est à la maison niveau doublage, clairement, voilà. Bon, et On part sur on du comprend nanar. vite que ils attendent quelqu'un, quoi. Et le vieux dit mais non, mais de toute façon, il reviendra jamais, tu peux bien aller te faire foutre, voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe? Donc il ferme l'énorme porte, mais directement quelque chose, on va dire, dans la diégèse du film ne fonctionne pas. C'est-à-dire que il ferme la porte, mais le mec arrive de la colline à cheval et il s'en bat les couilles de la porte. Et donc le héros, on le découvre, le héros qui s'appelle Johnny, Johnny, Johnny. voilà, qui est joué par Barry Pepper Johnny et Belgirl. qui est connu pour, j'en sais rien moi, rien d'autre, je Pour crois. la fin de sa carrière. Alors Voilà. si, il a quand même, s'il vous plaît, il a quand Il même était, ah bah joué si dans, si, il il a quand jouait, même joué dans la ligne verte, si, s'il il vous est plaît. dans Sauver le Et il faut soldat sauver le Ryan. soldat Ryan, Oui, oui, voilà, désolé, désolé. c'est C'est juste le que comment dire, le jeune gars, le ce plus sont jeune des ses deux gardiens dans la derniers bons ligne films. verte. Voilà. Voilà, Oui, parce c'est qu'effectivement, le labyrinthe et compagnie, on peut passer. Bah oui, bon, après, il a eu la carrière qu'il mérite. Bah après Battlefield, tu regardes sur son wiki, ça dégringole, Bah, sachant Oh que le con. la ligne verte était avant Battlefield, du Bah coup. oui. Voilà. T'imagines un peu le mec, il sort du tournage de Battlefield, de la ligne verte, il est grave saucé, il dit ça y est, ma carrière elle Allez, commence. Battlefield Elle Earth, là, vas-y, commence ça va être maintenant, génial. allez, Je rentre dans la vas-y, scientologie et paf, dans ton rêve. Battlefield. Un petit Allez crochet hop. du droit un peu penché là. Ah, je te jure, putain, ça a été rapide. Exactement. Donc bref, il débarque dans le village et il est en mode genre putain, on comprend pas très bien, mais globalement sa mère est malade et sa femme lui dit non mais en fait elle est morte. Donc d'un seul coup, on comprend très vite à quelle sauce on va être mangé. Yes. Méga ralenti, le mec hurle comme pas possible. Ouais. Il chiale sa mère pendant que il pose des cailloux sur la tombe. Voilà, tout à fait. Et c'est là qu'on commence à comprendre on va dire, le dilemme du personnage par rapport au reste de sa tribu. C'est en gros le reste de sa tribu, ils sont en mode mais t'inquiète, on est dans les montagnes, ils nous trouveront jamais, alors que putain ta putain de palissade de merde, il a pu la sauter juste avec un pauvre cheval, alors Mais il t'imagines l'a que même des pas aliens. sauvé, il est arrivé de côté, il est arrivé du Bah oui, côté, et voilà voilà. quoi, il a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour. Il a Voilà traversé quoi, la palissade, hein, en gros littéralement. voilà, c'est ça, c'est une sécurité totalement artificielle quoi. Et lui, Johnny, donc le seul un peu lucide dans ce bazar, qui se dit, ouais, mais les gars, les aliens, ils arrivent, en 5 minutes, la révolte, elle est finie, quoi. Enfin, il n'y a absolument rien à faire. Donc voilà, c'est le délire, chef de tribu qui, lui, veut protéger les siens et rester là, et le Johnny qui, lui, veut pas, enfin, comment dire, veut essayer de trouver toujours mieux, encore et encore, C'est à ce moment-là où j'ai eu ma commande qui est arrivée, donc je me rappelais plus de quoi. pourquoi est-ce que Ah, pourquoi est-ce c'est. qu'il se casse du village? Je crois qu'on a eu la même commande dans ce cas, Oh, mais effectivement. putain, vous êtes sérieux, les gars? Non mais vraiment, parce que moi je suis revenu et il était déjà barré et il rencontre les deux loustiques après là. La même, en fait. Avec Quentin, je crois qu'on s'est barré en même temps. Oh putain, merde, oui, effectivement, attends, il se Parce qu'il est. casse, il Il est. Il rencontre est... les deux gars au feu de camp, Bah ouais, mais ils juste ont. avant ça, avant qu'il rencontre les deux gars et tout, on lui dit mais non, ça sert à rien d'aller dehors, etc. Et lui, il est en mode si, c'est pour faire un truc. Bon, c'est vrai qu'on s'en fout très rapidement parce que globalement, Ouais. quoi qu'il soit allé faire à C'était pas important. l'extérieur, ce n'était pas si important parce que on Parce que verra à le la film suite de s'en l'histoire. fout. Voilà, c'est ça. Le film s'en fout et il va faire des choses bien plus importantes que ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Enfin Sachez bon, que donc on lui on a dit. du mal à s'en rappeler, mais il faut dire aussi la narration, elle est extrêmement laborieuse dans le film. On sait pas où le film veut aller avant un bon moment. Hein, d'accord? Donc Ah mais même à la fin, on voilà sait quoi. toujours pas où le film veut aller, quoi, vu Oui. qu'ils Bah amorcent j'allais dire. absolument toutes les scènes Bah, de... si tu veux, le seul mot. Enfin bon, on verra Ouais, quand on on y verra. sera. On verra. Donc,
Et là, on se rend compte rapidement que le mec se barre et c'est vrai que on vous avait prévenu Oui, avec bah oui. Rémi. Ah oui. Et j'espère que vous n'avez pas été déçus, mais le cadrage de ce film est, comment dire... Sans fin d'arrêt. Ils ont oublié le stabilisateur de la caméra. Non, non, à ce niveau-là, c'est pas possible. Ils ont engagé un cadreur qui a une jambe plus courte que l'autre. Je vois que ça comme explication. Donc, tu es en train de te moquer des gens spéciaux, c'est ça? Et c'est vrai. C'est la trilogie des gens spéciaux, voilà. Tu as intérêt à faire tes excuses sur Twitter, parce qu'en effet, le cadreur était handicapé. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Ce qui fait que le film, en fait, est tout le temps penché. Littéralement tout le temps. Mais c'est pas de 5 degrés ou quoi que ce soit. Non, on parle de 40, 45 degrés des fois. C'est des trucs scandaleux, vraiment. On parle de Michael Jackson actuellement. Voilà, c'est, à quel point c'est penché. Voilà. Mais vraiment, les acteurs, quand ils regardaient la caméra, ils voyaient pas un carré, ils voyaient un losange. Tout à fait. Ah, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le fameux Dutch Angle, mais le cadreur de ce film a globalement lu les mille et une prises en Dutch Angle. Et il s'est dit qu'il allait faire ça tout le film. Et voilà. C'est-à-dire que vous pouvez compter le nombre de plans qui sont droits. Il n'y en a pas beaucoup. Qui sont fixes et droits. Parce qu'on précise, des fois, de temps en temps, il y a des plans en mouvement qui sont droits. Il y en a un ou deux. Voilà, d'accord. Mais qui sont fixes et droits, là, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Quoi. Je pense aussi. Voilà. Mais bon, c'est peut-être une démarche artistique, on sait pas, tu vois, la scientologie, c'est tellement nébuleux, enfin, c'est peut-être écrit dans le roman. C'est jamais, quoi. J'en sais rien. Donc, c'est penché dans tous les sens, et notre héros va donc sa quête, hein, voilà, sa fameuse quête, et, premier adversaire qu'il va devoir affronter, on lui dit de faire très très attention à l'immense créature qui garde l'extérieur de la ville. Mais ça sera pas vraiment ce qu'on espère, n'est-ce pas, mon cher Juan? Oui, parce que de mémoire, c'est une... Non, c'était pas une statue pourrie. Je sais plus, j'ai un gros doute sur le film. Mais de mémoire, c'est une statue pourrie sur laquelle il a détruit la statue. Parce qu'il dit, ouais, comme ça, on n'est plus surveillé. T'es en mode un peu bizarre. Ouais, en gros, à l'extérieur de la ville, il tombe sur un mini-golf sur lequel il y a de grandes statues, et c'est ça qui effrayait les anciens et la tribu. Voilà, ouais. Parce que globalement, ils sont extrêmement cons, et il y avait une espèce, voilà, une espèce de... Je ne saurais même pas dire si elle a été fabriquée, et par qui. A été fabriquée. Je ne saurais pas dire. Mais voilà, en gros, il y a plusieurs clans survivants, d'humains à la surface, et l'autre clan en question, un peu rival du clan des héros, si tu veux, c'est les Écossais. Ils étaient aussi dans le bouquin, quoi. Et apparemment, c'est un piège, en gros, des Écossais pour éviter qu'ils aillent sur leur terre. Alors, encore une fois, j'ai oublié pourquoi le héros devait aller sur les terres des Écossais, mais en attendant, voilà, le truc qui les maintenait à distance, c'est une espèce de statue d'un dinosaure chelou, et... Et c'était suffisant, ça veut dire. Voilà. Et apparemment, ça suffisait pour faire peur à tout le monde. Il y a une énorme rivalité, et elle est vraiment violente, cette rivalité, étant donné que quand il arrive au dinosaure et qu'il se rend compte que ce n'est qu'une statue, deux Écossais surgissent pour rien faire, parce que finalement ils sont en train de leur propre truc, ils le menacent, voilà. Et finalement ils disent donc ils sont à sa merci. On va manger. Et après ils font mais en fait non, on n'a pas le temps de te menacer, on est en train de chasser, donc au revoir. Oui, habituez-vous à ça, voilà. C'est ça. Littéralement, les conflits durent littéralement 2 minutes dans ce film. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Habituez-vous à ça, aux situations qui se désamorcent toutes seules, voilà. Oui, c'est vraiment ça, c'est en mode genre, tu vas mourir. Bah non, en fait, j'ai aucune raison de te tuer. Enfin, si, je suis méchant, mais bon, à plus, hein, j'ai autre chose surtout, à faire. Voilà, si je te tue, l'histoire, elle s'arrête là. Bon, bah, on va manger. C'est ça. Bon, on va manger. Fondu avec la transition Star Wars, et on est parti. Transition Star Wars, et en effet... et en effet, transition Star Wars dans un centre commercial. Il leur montre les dieux. Alors là, ils nous font part de nouvelles croyances. Voilà, une énorme statue. Ils disent que ça, c'est leur dieu à eux, aux Écossais. Mais bon, ils sont dans un centre commercial. Ils font un feu de camp avec ce qui reste de branches. Et puis là. Parce que de mémoire, ils présentent justement les mannequins comme étant les gens congelés de la grande invasion des extraterrestres.
Ah, mais ils sont Mais... tous cons comme Ah non, des mais là, très on cons. a... là, on est à un niveau de... Voilà, quoi. C'est ça, C'est... ouais. Donc non, ouais, il y avait ce passage-là, effectivement, des mannequins congelés, je m'en rappelle. Et non, ce sont des Bah gens qui ont été ouais. congelés, qui ont été restés là. Ok, Mais bon, voilà, non. c'est des humains du futur, probablement consanguins, à moitié, voilà, quoi, à moitié sauvages. Tu leur montres un mannequin, voilà, tu te dis, c'est le dieu Victoria's Secret, c'est bon, c'est parti, hein. Voilà. Ouais. En tout cas, l'exposition du lore de ce monde va subir un royal coup dans les couilles parce que instantanément, putain, des ralentis, des mains bizarres Des d'extraterrestres, des vaisseaux, vitres! des vitres qui explosent, Des des tonnes et des CGI. tonnes de vitres! Mais J'aimerais qu'on. tu sais que ces tonnes de vitres, c'est quand même une référence à Blade Runner. Et c'est Pardon? incroyable. Et c'est incroyablement mal fait. Je te promets, j'ai été chercher un peu. Parce que j'ai quand même un peu bossé sur le sujet, même si mon cerveau a eu du mal. C'est qu'apparemment, effectivement, c'était une référence à Blade Runner, à Harrison Ford, le fait de pétage de toutes ces vitres. Et les CGI là, parce qu'on est quand même en 2000, les lasers là, avec leur magnifique incrustation, Oui. incrustation digne de Star Trek saison 1, Et voire encore, le vieux en noir et blanc. Genre, ça Bon, c'est ça normal va. ça? Ouais, bon, Pour un écoute, film à 60 millions de budget? 73. 73 millions, oui. Mais je pense qu'il y a 60 millions qui sont partis dans la coupe de John Travolta, mais bon, c'est Ouais, le juste une budget costume. estimation. Le budget costume, effectivement, il va y passer. Voilà. Bah, disons Mais qu'en plus, effectivement. ces rayons laser, enfin, ils sont quand même assez dégueulasses, parce que ils sont faits pour t'anesthésier ou te tranquilliser, Ouais, te stun, quoi, mais grosso modo. ils ne tuent qu'une seule personne. Et je trouve ça un peu grossophobe, parce que la seule personne qui est morte, c'est le gros. Oui, mais Voilà. qui te dit qu'il voulait pas le stun et qu'il a fait une crise cardiaque? Ah, hein? Ah, c'était Parce que pas dans ça, le le rayon film. laser le traverse. Alors que. Eh ben, Oui, c'est c'est assez étonnant une d'ailleurs, crise parce que. cardiaque du futur, voilà. Donc globalement, ils arrivent et. Ah bah peut-être que c'est pas. Non mais peut-être que t'as raison. Peut-être que c'est vraiment parce qu'il est gros. Ah, Ah. Parce que je t'en vois te... d'autres gros après. Non! Donc ils ne capturent que À ceux part qui sont en forme physique à part Forest Whitaker, mais suffisante. bon, Oui, voilà. non mais lui c'est un alien, C'est il un a le droit. alien. Il y a une Oui, excuse. bon voilà. Regarde, c'est comme il est noir, c'est une excuse. C'est le seul alien Mmh. noir. Putain, il est si profond ce film en finale. Ah, il faut qu'on Incroyable. le Ça re-revoie parle. en Mais fait. je vous le dis que ça parle de lutte des classes et tout. Enfin, personne n'écoute, ouais, merde. C'est un chef-d'œuvre, hein, je vous le Enfin, dis. après beaucoup de. Après quelques nausées et 2-3 vomitos, parce qu'il y a beaucoup de ralentis, beaucoup de piou-piou dans tous les sens, beaucoup Ah de vitres oui. cassées, parce qu'il passe à travers, on sait pas trop pourquoi. Je Ah crois non, qu'il mais perd surtout l'équilibre. une scène en particulier. Oh là 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 Non, mais il y a une Ah dizaine de oui. vitres, Mais hein. vraiment, exactement, c'est la scène de vitre. C'est si vous êtes si vous avez un kink chelou avec le pétage de vitre, comme il y en a Ouais, qui ont un et tout ça kink penché, chelou. hein. Ah N'oubliez oui, pas, hein. voilà quoi. Tout ça étant penché à un Tout angle ça pas loin de avec un 90 angle de degrés. caméra penché, le mec il arrête pas de comment dire de trébucher et de trébucher sur une vitre, puis sur une autre vitre, puis sur une autre vitre. Je crois, sans blague, il doit y avoir au moins une dizaine de vitres d'affilée comme ça, hein. Non, mais ce qui est incroyable, c'est Genre qu'il y sur a un une ligne mètre, droite, quoi, il y vraiment. a un mètre d'écart entre chaque vitre, Mais vraiment! centre commercial un peu chelou qui fait ça. Je sais, écoute, qu'est-ce que je te Bah, dis? sur le plan C'était. large, à la fin, on se rend compte que en fait, il y en a que trois. C'est ça qui est assez rigolo. Oui, parce qu'il y a tellement de répétitions, de réutilisation de scènes que c'est incroyable. Donc vous voilà, donc globalement ça vous met pas mal dans le bain quoi. Disons que vous avez Yes. l'exposition de l'histoire et puis là vous avez eu l'exposition de comment va vous être raconté l'histoire et là ouais, vous vous dites ça fait peur mais tenez bon parce que maintenant les aliens sont là, sont devant vous et ils ont de Les magnifiques prothèses. méchants. Les méchants! Ils ont Oui, des c'est gueules de lui, c'est le méchants! méchant. Ah, ils font du 50 en termes Hey, de vous... chaussures, oui, effectivement, on peut dire que c'est des méchants. C'est Alors quoi là, votre avis sur le costume d'ailleurs des aliens? Qu'est-ce eh que vous en ben pensez? écoute, pour une saison 1 de Star Trek Discovery, c'est franchement pas mal, hein. Bah, disons que sur Doctor Who en 63, c'était mieux fait. Enfin, c'est si dégueulasse que ça? Moi je sais pas, moi je trouve que Non mais en bon, vrai leur gueule ça allait quoi. pour un direct en Pour un DVD, téléfilm, pour un voilà, téléfilm, c'est c'est pas exactement mal. ce que j'allais dire. Pour un Oui. téléfilm, même si genre le mardi après-midi, après Joséphine, pourquoi pas, tu vois? Oui, non, en vrai ils sont pas si horribles que Non, ça, on parce va pas se que mentir. on a hésité pendant un moment avec Alien Warfare et là vous revoyez, là on a du vrai ça on a du potentiel nanar aussi peut-être pour une prochaine chronique hein, parce que celui-là pas mal. Mais Ouais.
ouais, franchement, moi je trouve pas mal, à part les chaussures. Ouais, oui, c'est ça, voilà. Globalement, il y a, comment dire, il n'y a pas de raté, mais ça, c'est de la merde. les aliens, en fait, sont censés faire genre 2m50 de haut, et donc évidemment, pour que tout le monde rentre dans le plan, ils n'ont pas fait comme Le Seigneur des Anneaux, parce que c'était un bon film. ils ont globalement mis des énormes godasses, littéralement, hein, des énormes godasses aux aliens. Par contre, ils ont pris la même maquilleuse pour que ceux qui... Enfin, comment dire, la maquilleuse qui a fait les pieds des Hobbits, ils l'ont rappelé la même pour faire les mains des extraterrestres. Oui, ça t'a choqué. Parce que vraiment, les mains des extraterrestres sont aussi poilues que des pieds de Hobbit, c'est très perturbant. Et donc, notre héros, on se rend compte très vite que ce n'est pas un... Il va pas se laisser faire. Il récupère, en faisant une technique, en étant vif comme un mulot, il récupère le flingue d'un des extraterrestres et il en tue un avec. Ce qui laisse tout le monde pantois. Tout à fait. Parce que je te rappelle qu'ils sont appelés les hommes animaux, hein, pas les extraterrestres. Donc ils sont censés être cons comme des animaux. Comme nous, on pourrait penser qu'une vache est aussi con que ça. Donc ça surprend de se faire tuer par une vache, par un homme animal. Je me perds. De la perspective des aliens, effectivement, c'est comme si demain, t'avais une chèvre dans un champ qui chopait ton Glock et qui te foutrait une balle entre les deux yeux, quoi. C'est... Bah, aux États-Unis, c'est le cas actuellement. Admets que tu serais quand même un peu circonspect, tu vois. Oui, circonspect, je crois que c'est le bon. Sans vouloir défendre en avance John Travolta, avoue quand même que tu demanderais peut-être une contre-enquête, quoi. Voilà, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, comment est-ce que ça va se passer, cette fameuse contre-enquête? Parce que le mec, il va se barrer, mais il va évidemment se refaire capturer. Et là, on a l'introduction, justement, de nos personnages principaux, en plus du héros, qui sont Travolta et Whittaker, qui jouent, mais deux méchants. Et Travolta est un méchant dans ce film. Voilà. Et Whittaker aussi. C'est ça. Deux méchants, cons, mais avec des nuances de conneries différentes, quoi, tu vois, c'est pas tout à fait les mêmes cons, quoi. Donc John Travolta, il joue Terle, et Forest Whittaker, il joue Kerr. Voilà. Ah là 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 là. Terle et Kerr. Putain, c'est quoi ces noms sortis d'aliens. Ah putain. Ok, et recapture, et là on va comprendre très rapidement un petit problème de ce film. Enfin, on va dire comment. Le rythme de la suite. Comment va être rythmé l'histoire après. Parce qu'en gros, il le recapture, et il dit quoi de, il dit c'est un truc. Enfin, ça instaure la relation entre le personnage de Travolta et notre héros. Entre Johnny. Johnny, donc Johnny et Terle, vont avoir une relation très particulière dans ce film, et il nous montre à peu près comment ça va se passer là. C'est-à-dire qu'on a Terle qui arrive, qui semble être le chef, on apprendra que c'est le chef de la sécurité de la planète, et il récupère ce mec, et il fait « Attends, comment ce rat débile a pu tuer un mec ?» C'est ça. « Je ne te le crois pas. » Il prend le flingue, il donne le flingue, il redonne le flingue à Johnny, et il fait « Je ne crois que ce que je vois. » Bah vas-y, montre-moi alors. Vas-y, prends-lui son flingue alors. Prends-lui son flingue maintenant, il dit à l'autre garde, en mode genre « Bah vas-y, prends-lui son flingue, tu vas voir. Oui. Et des Johnny très bien Good Boy, fait, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il bute un autre garde. Quoi. Johnny, il bute un autre garde. Donc c'est ça, faut pas lui dire deux fois, quoi, Johnny. C'est voilà, c'est tout. Voilà. À l'origine de pourquoi est-ce qu'ils font ça, c'est qu'en gros, vu qu'il y a un garde qui est buté, faut faire un rapport. Et étant donné que John Travolta, lui, son objectif, c'est d'être en gros ultra clean avec le bilan le plus parfait qui soit pour pouvoir avoir une promotion pour se barrer de cette planète de merde, il veut surtout pas faire un rapport où il dit qu'en gros, un homme animal a chopé un flingue et a buté un garde avec, quoi. Du coup, pour pouvoir être sûr de pas mettre ça dans le rapport et juste pouvoir virer le connard qui veut dire ça, quoi, bah, il fait cette espèce de mise en scène à la con et au final, bah... C'est vraiment arrivé, quoi. Et du coup, il y a deux gardes sur le coup. Ça a pas l'air de le gêner, il fait genre... très bien. Ah mais c'est ça en plus. Oh non, je vais faire un rapport pour un. Bon, il y en a deux, c'est pas grave, je fais pas de rapport. C'est clair. Il y a aucune logique. Ils ont glissé sur leurs armes, chef. Ils étaient tous les deux face à face et ils nettoyaient leurs armes. Voilà. Alors, aux États-Unis, ça arrive comme excuse, donc franchement... En plus, on est un peu aux States, donc voilà, quoi. Ça passe. Ouais. Oui, parce qu'on est, je ne sais plus dans quelle ville, parce qu'on en arrive à le savoir à un moment donné. Bah, à un moment, ouais, bah, on verra après, justement. Tu le dis, parce qu'ils capturent justement ce mec-là, et ils le foutent donc dans les geôles,
Et je crois que Yes. c'est là où t'as la. C'est quoi, t'as l'introduction de. Ils se battent tout de suite ou alors. Ils se... C'est. Ou Non, ils se alors battent là, tout de c'est la suite parce scène. que... Ou alors là, c'est la scène où on apprend justement ce que t'as dit, comme quoi il allait plus être. Il allait rester le chef de la Terre. Enfin, il voulait quitter cette planète de merde. Non, ils se battent tout C'est de suite après et qu'on le ça verra. arrive après. C'est après qu'on le saura ça parce que D'accord. on Ouais, apprend donc c'est qu'il juste veut se après les barrer de douches. la... Voilà, c'est ça. On apprend qu'il veut se barrer de la planète quand il y a justement un émissaire qui vient de la planète mère pour pouvoir faire une espèce de contre-enquête chelou, quoi. Ah oui. Et Là on a re... c'est... c'est ça, je me rappelle maintenant. Donc là c'est Donc là, voilà, les ils douches se au font capturer lui ralenti, et ses potes. C'est les il est douches au trop ralenti. vénère, il s'enfuit encore une fois. Oui, Non, il juste. réussit à choper le canon à eau et il le balance Oui, contre les c'est ça, il arbres. continue. Et Johnny en fait est un expert pour prendre les armes Mais des vraiment, extraterrestres. Johnny dans sa tête, c'est GTA, quoi. Vraiment, il C'est ça. a rien Ah à putain, trop bien la comparaison, c'est exactement ça. Il en a rien à péter, Johnny. Il met trois coups de tatane et récupère. À chaque fois qu'un alien tient quelque chose, en fait, il va lui péter la gueule pour le récupérer et l'utiliser contre l'autre. Mais clairement, Non mais bah, et il nique d'ailleurs le système, Johnny, il s'en on fout. aura le plot twist quand même à chaque fois, c'est effectivement il fait ça, mais il s'enfuit et ça dure 15 mètres. C'est Bah oh après non, je me voilà, fais capturer concrètement c'est un homme encore. animal quoi, c'est tout. Ouais. Ça sait tuer des gens mais pas s'échapper, génial. Et tout Eh ça au ouais. ralenti en criant aussi, hein. Et de Attention, travers, les c'est scènes ça. et de travers, on va pas oublier. C'est clair, putain. Il se fait enfermer, et évidemment il y a les bastons à l'intérieur de la cage là. C'est ça. On te montre qu'ils vont manger globalement de la boue et qu'ils se battent, et donc il y a un mec qui doit jouer les gros bras et qui est en mode genre, C'est écoute mec, ça, ici c'est il... moi qui mange en premier, puis mes mecs, et puis après vous aurez les restes. Donc globalement il y a une marmite pleine, mais c'est pas vraiment du goût de Johnny. Parce que Johnny, il a décidé qu'il allait lui péter la gueule et le noie dans cette merde. Oui, Et ça. comme Johnny, c'est sûrement, il a l'âme de héros et que c'est un héros et qu'il faut que l'histoire Ah bah avance. c'est basiquement le Jésus de la bande, donc voilà quoi, et vous Voilà, allez il est en finir mode, par vous ceci aimer est les mon uns les corps, autres, quoi. bordel de merde! Exactement. Tu dis ça à cause des cheveux, c'est ça? Parce que les cheveux Ah longs, bah pour toi, voilà c'est quoi, Jésus? Ah et bah c'est super. ça. On se rend compte Bah qu'il est oui! bien gentil parce que le chef des connards, voilà, il lui propose quand même directement de la bouffe, mais comme il en a plein la gueule, on se demande pourquoi il en prend. Oui! Il lècherait ses cheveux, et ça ferait le même résultat. Voilà, tout à Ils fait. ont quand même réussi à rendre la bouffe en question encore plus dégueulasse que l'espèce de bouffe que t'as dans les vaisseaux dans Matrix, quoi. L'espèce de bouillie qui te servent Ah oui, quand tu sors de la matrice. même le Blooby Boolka des Teletubbies, ça avait l'air plus appétissant. Oui, mais Alors ouais, que c'était clairement. rose chelou. Bah ouais, clairement, c'est putain de merde, Là, c'est c'est... vert avec des grumeaux à l'intérieur. Voilà. Excuse-moi, Donc j'ai autant l'impression les que effets ça me spéciaux... rappelle des soirées à 3h du matin. Voilà. Oh putain de merde, ça rappelle un certain anniversaire dont on ne parlera plus jamais. Voilà. Non, Qui aura mais lieu voilà, on peut bientôt. dire Alors qu'au donc. moins, niveau accessoire, enfin, si on peut appeler ça un accessoire, voilà, la bouillie est vraiment dégueulasse, quoi. Ah oui, non. Ah, ça se voit Dans un littéralement. abreuvoir à bêtes, voilà, clairement. Tout à Ah oui, non, fait, ils sont dans des grandes cages d'abreuvoir à c'est bête. ça. Ça se voit vraiment qu'ils sont coincés comme Et des animaux. Là, on est vraiment sur ils le. sont gardés par les pires gardes du monde. Quand il y a une putain d'émeute, ils sont là à taper sur les barreaux, genre, hey, oh, ça Oh, il va tape sur les bientôt barreaux. Oh, et dis finir. donc, c'est pas fini cette histoire là. Ce Non, mais bon. tintamarre, calmez-vous! Et genre, ça marche, mais non. Putain. Et ça arrive souvent en plus qu'ils font ça. Ils disent, eh, oh, faudrait vous Ah calmer, oui, les gars, vous. parce que vous êtes C'est bruyants ça. là. Ah oui, parce que Oh, il y a y a plus de plusieurs scènes révolte, d'émeute. il y a plus de révolte et il y a plus de bazar dans les prisons dans ce film que de plan droit. Hein. Donc Putain. C'est dur. Non, il est pas dur, il est réaliste, on dit. Putain, ouais, clairement. Donc globalement, c'est à ce moment-là où il récupère au final le. Ça devient le chef, quoi. Ça devient Yes, le voilà, chef des prisonniers, quoi. Tout à Notre fait. bon vieux Johnny. Et C'est ça. là, transition Star Wars, on est du côté des aliens. Parce qu'en gros, on aura d'un côté l'évolution de Johnny, et de l'autre côté, on aura donc l'évolution de l'alien joué par John Travolta, donc Terl. Yes, c'est ça, tout à fait. Et donc du côté de Johnny, ben voilà, maintenant le film passe du côté les évadés, hein, clairement. C'est Oui. vraiment lui et sa bande qui essayent de se faire un petit trou dans la prison. Ils se font des potes, voilà quoi. Là, Ouais, moi ils j'aime sont bien par entre eux. contre l'aspect lutte des classes qu'il y a quand tu passes justement sur Terl, quoi. Parce que sur Terl, on apprend très rapidement que. Enfin, il y a une grosse critique, quoi. Parce que la scène, on va dire, d'introduction, du lore, on va dire,
des extraterrestres, je la trouve pas mal, justement, sur ça. Exactement. Tu comprends vite les enjeux, quoi. C'est oui. Ça. Déjà, voilà, tu te dis extraterrestre. Alors, bon, disons-le tout de suite, c'est des psychos. Oui, le nom des extraterrestres en question. Et ouais, le fait que les psychos se ramènent sur Terre et qu'en gros, ils voient la Terre comme un espèce de gigantesque site de minage pour récupérer de l'or. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est un peu anticlimatique, quoi. Tu te dis, les extraterrestres qui viennent, tu te dis, ça va être quoi, la guerre des mondes, mais non, de l'or, quoi. Ils veulent juste de l'or. Voilà, non, globalement, ils vont en Afrique. Globalement. La Terre, c'est l'or Afrique, quoi. Ils ont pris les États-Unis, car ce film est bien sûr américain. Tout à fait. Oui, et évidemment, ils sont aux États-Unis d'Amérique, hein, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et on apprend justement que Terre, lui, tout ce qu'il a envie, c'est de se barrer de cette planète. Tout à fait. Et il y a l'émissaire qui vient et qui fait genre ouais, ça serait drôle, mais imagine, en fait, tu restes 100 ans. non, sans cycle. On sait même jamais pas c'est combien un cycle. C'est beaucoup, je pense. C'est beaucoup, Vu la gueule que tire Thor après, malgré le maquillage, on voit qu'il a pas l'air très content. Clairement. Le haut de son crâne qui est sur le point de se barrer. Je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'on apprend que même on pourrait dire que l'évolution de Terre est un peu plus profonde que ça. Ce n'est pas le chef de la sécurité qui se fait un peu lyncher, prendre des coups de linge comme ça, il y a sans cycle, machin. C'est qu'à la base, il devait avoir un brillant avenir aussi. Alors, je sais à la base, il devait... apparemment, il est issu d'une grande famille. De généraux, de chefs. Voilà, c'est ça, qui conquiert des galaxies, etc. Et on lui file un pauvre site de minage de bouseux, là. Il n'est même pas chef de la planète, hein. Il n'est même pas gouverneur de la planète, hein. Il est vraiment que chef de sécurité avec son bras droit, Kerr, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc il est pas content, donc il se bourre la gueule, donc il va fomenter un plan pour essayer justement de récupérer la planète. Mais bon, ça on verra. Attends, c'était quoi ? C'est à ce moment-là où il parle avec justement, il parle de CDD et trucs comme ça, tu sais. Ou en gros c'est en mode genre. Ah oui, c'est ça. Il va faire chanter le chef de la planète, le gouverneur. Oui. Il va faire chanter. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Bon, il va faire ça habilement avec des micros et des trucs comme ça. En gros, le mec, il dit « J'ai épluché vos comptes et j'ai trouvé qu'à l'intérieur, il y avait des problèmes dans le bilan. » C'est-à-dire que... Oui, il y avait des erreurs. Ouais, il y avait des erreurs de trucs, c'est-à-dire que... Alors, putain, j'ai dû m'évanouir pendant ce moment du film parce que j'ai vraiment oublié. En gros, le mec, il paye les psychos qui travaillent ici 50% moins cher et il se garde le profit pour lui. Et parce qu'en gros, il fausse la rentabilité de la planète et il se garde le surplus. Et ouais. C'est pour ça que lui, dans un sens, il va avoir son... Bon, spoiler, hein, il va avoir son stock d'or aussi de son côté. C'est pour se mettre bien, il va partir. C'est normalement. Voilà, parce qu'il veut soudoyer. Le monde est pourri. Mais voilà, dans un premier temps, il essaie de... Enfin, il fait chanter donc le chef de la planète parce que il y a cette histoire de... on truque les comptes pour se mettre bien de notre côté, quoi. C'est ça. Donc oui, effectivement, le plus grand méchant de ce film, c'est donc le capitalisme et le rapport à l'argent. Enfin, à l'or, précisément. Tout à fait. Même chez des extraterrestres conquérants de l'univers, etc., il y a toujours ce même problème, quoi. Hein, si les Super Saiyans existaient pour de vrai, ils seraient organisés comme ça, avec un Sénat, avec des sénateurs, avec des émissaires et avec le marrant, capitalisme. C'est marrant, ça me rappelle un film, cette histoire. Ah bon? Je sais pas, peut-être que l'introduction dans ce film et les plans de coupe me rappellent un autre film aussi, mais je sais pas. Bon, on ne juge pas. Non. On ne juge pas. Tout à fait. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que Travolta est bourré chez Blair à 8 grammes plumactaire dans un bar. Voilà. Avec son second. Avec son second, qui boivent des liquides verts fluo qui sont censés leur mettre cher dans la gueule. Ce serait de l'uranium liquide, moi j'ai... Ok, hein, franchement. Oui, d'ailleurs, on aura des personnages super importants qui seront introduits à ce moment-là, à savoir les aliens femelles. Oui. Oui. Qui sont bizarrement, mesdames, maltraitées, pour le coup. Enfin, pas traitées avec égard, j'ai envie de dire. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? On verra plus tard comment est-ce que Travolta se sert de l'une de ces aliens femelles.
T'es en train de dire que ces femmes sont traitées comme les femmes de notre époque? Non, je veux dire, alors là, comment dire, satire sociale, je comprends plus rien, moi, je... Ouh là là. Ouh là là. Mais bon, oui, effectivement, c'est... Oui, il y a des aliens femelles qui, comme de par hasard, sont dans un bar, qui, comme de par hasard, sont, on va dire, moins maquillées que le reste du cast. Disons ça Ah, comme ça. le budget poils et cheveux, il était bouffé en vrai. Ouais, voilà, quoi. Peut-être qu'elle elle s'épile le crâne, on va savoir. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Ah oui, non, mais le crâne, effectivement, oui. Aïe, 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 Un peu penser. Bah, d'ailleurs, les formes du crâne, ça fait un peu penser. Bon, ce film est détestable, mais au crâne de aïe. cristal dans Indiana Jones. En termes de profondeur du crâne arrière, t'es un peu Ouais. sur le Ouais, même c'est vrai. délire. Moi, tu sais, ça m'a fait penser. Justement, c'est là où, quand on a vu les premiers aliens femelles, je me suis dit, mais putain, on dirait vraiment la version grise La version de. Wish. Ouais, voilà, la version Wish, si tu veux, de l'alien De comment la dire, qui diva, oui. chante, voilà, la diva qui chante à l'opéra dans Les Cinquièmes Éléments. C'est vraiment le même faciès un peu chelou, bah, moitié alien, genre de Ridley Scott, quoi, et moitié bah, méduse, je sais Ouais, oui, en plus, j'ai la pas. photo justement des femmes aliens sous les yeux. Et effectivement, c'est normalement dans Ouais. la diva, là, les tentacules. Et là, en fait, c'est des cheveux dégueulasses. Ouais, oh Donc, tu vois putain. déjà que la différence de budget. Ah ouais, c'est. Ouais, Ah, la c'est version clair. portugaise de la diva, quoi. On comprend une certaine. Voilà, il y a une certaine. Comment dire. Tension sexuelle avec les nanas, quoi. Mais Oui, tout à fait. on a oublié. Il y a une petite scène aussi, encore juste après. C'est celui où on comprend qu'il y a des tensions entre Terre et Curl, là, aussi. Yes. Oui. Où en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que Terl, il surveille tout le monde avec ses petites caméras. Et retenez bien ces caméras, elles vont être importantes pour la suite. Oui. Parce qu'ils sont Pas pour ça la typiquement, sextape en 2 heures tout le monde est très. En fait, tout le monde. Ça va être simple. Tout le monde est très très con dans ce film, hein. Que ce soit les humains ou les Les psychos. ou les Ah bah. psychos, ils sont tous assez bêtes. C'est ça, c'est ça. Justement, en fait, le Kerr, lui, il voulait se garder une mine d'or. Sous le coude, il n'en a pas parlé à Kerr, en fait, pardon, à Terl. Et comme il voulait se garder une mine d'or, Terl, lui, est au courant parce qu'il l'espionne. Il a dit, alors comme ça, tu pensais qu'au moment où j'allais me barrer, j'allais pas le voir et tout. Non, mais je vous jure, j'allais vous l'envoyer, la position du truc. Ah ouais? Bon, me mens pas, mais c'est pas grave, tu restes mon bras droit. Allez, C'est ça, voilà. on va Allez, faire... file. Allez, file! D'ailleurs, on aime beaucoup les plans sur quoi ils sont imprimés. Oui! Oh putain, quelle Ah oui, technologie de c'est malade! quoi la tech? Alors avec quoi les psychos contiennent leurs données, s'il te plaît, Alors là, voilà. c'est simple. Tu vas prendre un plan, c'est simple. C'est une tablette, on va dire format A4, classique. Ok, super Sauf que. tablette là, c'est bien Non, ça mais des c'est une. tablettes. Sauf que. Impression 3D, donc tu as en fait Comment ça? une carte littéralement avec les reliefs, mais juste d'une zone, c'est tout. Voilà, donc en fait Voilà. tu as des bouts de métal avec une zone à relief où t'as aucune coordonnée dessus, rien du tout. On a juste l'endroit où t'as le filon d'or, point. Démerde-toi Voilà. avec ça, mon pote. Le Ouais. summum du pratique, en fait, hein. Ah, Je veux mais dire, le totalement. papier, l'électronique et tout, c'est tellement dépassé, hein. Les Ouais, mecs sont en Alors vaisseaux spatiaux. une bonne vieille tablette de plomb là, C'est de ça, 4 mm tout à d'épaisseur. En plus, à usage unique, parce que t'as imprimé ton truc comme ça, t'es foutu. Donc, Ouais. ah, incroyable la technologie de navigation et de données. C'est Ah, mais impressionnant. clairement, hein. Clairement, ils vont le reprendre dans Black Panther. Enfin, Ah, bref, je sais. mais je crois que dans Black Panther, elle était interactif. C'est ça le Oui, truc. mais ils avaient pas le budget. Il y a que 73 millions. Tu t'attendais à quoi? Ils ont fait des coupes partout, hein. C'est Ah, on est vrai, bien. j'oublie ce budget. Désolé. Aïe. Mais oui, donc ouais, pour revenir au fait que tout le monde est con, voilà, on a pas trop insisté dessus, mais blague à part, si jamais juste Travolta avait dessous le jugeote, le film il durerait 20 minutes, hein, clairement. Oui. Oui. Voilà. Et il se passerait pas Juste, tout ce et qui quand je dis restera à la fin. dessous le jugeote, je veux juste dire qu'il apprend de ses erreurs. Genre il fait une connerie et il se dit, bon, on va peut-être pas le refaire. Genre dans le même contexte, on va peut-être choisir autre chose. Donc voilà. Globalement, le film il dure aussi longtemps parce que Travolta il fait littéralement trois fois la même erreur avec le héros Johnny, trois fois la même erreur avec son acolyte là. Ah oui, non, mais c'est littéralement ça, c'est Oh comme Johnny et ses putain. tentatives de s'échapper. Alors Bah oui. justement, Exactement le bah, même principe.
Ah, le petit Johnny, là, on va repartir sur lui. Ouais. Ça fait longtemps qu'il a pas essayé de s'échapper. Hop là, une scène d'échappatoire où il est en ligne avec tout le monde, avec ils sont tous enchaînés au pied, quoi, globalement. Et alors, c'est vraiment c'est vraiment le truc le plus pété de l'histoire, quoi. Genre, ils sont en ligne, je crois qu'ils vont aller chercher des trucs pour récolter des cailloux. Et derrière, il y a une grosse tour comme ça en briques. Vestige du passé humain ouais. Et un vaisseau, on n'a rien à foutre et tape dedans, voilà. On sait pas pourquoi et ça tombe sur les mecs, mais il y a les gardiens aussi, c'est ça que je comprends pas en fait. Donc juste le bon bref, donc juste la tour, il était bourré, faut pas voilà, faut le pas truc s'effondre, c'est la panique, mais ça permet encore une fois à Johnny, parce que Johnny lui il voit les occasions partout, il a des occasions, il se passe un truc, il y a un garde qui pète, il est en mode genre parfait, tac, il hurle, ça part au ralenti, donc il y a du pète dans ta gueule et hop il l'évanouit. Je vais utiliser son pays comme arme et je vais pouvoir m'échapper. C'est littéralement ça. Je vais concentrer son paix grâce au pouvoir du triangle et je vais réussir à créer de l'acide. Et globalement, c'est ce qui se passe, quoi. Donc il s'échappe, il court. D'ailleurs, faux raccord parce qu'il est au milieu de décombres avec des mecs qui sont en train de se relever. Plan suivant, il est au milieu, il est en train de dépasser une file. Et évidemment, il essaye de s'échapper, mais il se fait recapturer. Voilà. Encore une fois, et donc on apprend rapidement que en fait les aliens, eux, pour respirer l'air humain, ils ont besoin d'un masque. Donc oui. C'est une super bonne idée, ça, pour point, le visage petit des acteurs. Point accessoire, mon dieu. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça au début du film. C'est vrai leur masque est incroyable, qu'en fait. Voilà, c'est-à-dire que les ils aliens, ont un pince-nez, quoi. Les aliens ne supportent pas, enfin, ne supportent pas l'atmosphère humaine et les humains, pour aller travailler, enfin, quand ils se font capturer, ils vont travailler dans une zone qui, en gros, est un espèce de dôme dans lequel les aliens ont recréé une atmosphère qui était viable pour eux, quoi. Du coup, c'est les humains qui ont très besoin de porter un masque dans la zone en question. Tout le monde a des masques quasiment tout le temps dans ce film, hein, c'est pas mal. Ça. Et donc, évidemment, il s'enfuit, mais il se refait capturer, encore une fois, quoi, voilà, parce que pourquoi pas. Et c'est la fin de la troisième tentative d'évasion de Johnny. L'important, c'est la persévérance. C'est ça. On repart du côté de Shetterl, où il piège encore son acolyte avec les mêmes caméras deux secondes avant, en lui faisant expliquer un plan qui n'est pas le sien. Oui, en plus, on lui dit « Mais non, t'es trop con ». Et là, juste cut à ce moment-là, cut après, en disant « Ah, mais en fait, c'était mon plan ». Ouais. Ah ouais, donc en fait, t'es un bâtard. C'est ça. Exactement, c'est un gros bâtard. Le piège le plus évident de la planète, mais heureusement que Forest Whitaker est con, quoi, c'est surtout ça. Terre est super intelligent, il remarque que Johnny, lui, il a l'air d'être assez fougueux, et donc il va décider de l'utiliser pour en savoir plus sur les humains, parce que son plan est d'utiliser les humains pour aller miner, en utilisant les machines et tout ça, pour aller miner l'or. Eh oui. Voilà, petite, et c'est quoi son super plan? Et c'est quoi son super plan? Libération des esclaves. Est-ce que Travolta c'est un petit peu Abraham Lincoln? Enfin, je sais pas. Ouais, enfin là c'est pour les exploiter, quoi, transformer en esclaves. Et pas une histoire aussi du fait que la zone était contaminée ou quoi que ce soit? Je sais. Bonne question. La zone est contaminée pour apparemment pour les psychos. C'est pour ça qu'il veut faire confiance. Il a besoin de la confiance d'un homme animal pour justement gérer une équipe d'hommes animaux. Parce que pour le coup, les psychos, enfin leur faiblesse, si tu veux, c'est les radiations. Eh ben, nous aussi. Un peu le problème. Voilà, par 1000 ans, ça n'a pas changé normalement. Voilà. Cependant, c'est quoi son plan génial là pour aller pour en apprendre plus sur les humains? Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Il les laisse s'évader exprès. Voilà. Et il les filme avec les caméras de leur bouton, parce qu'en fait ils ont un uniforme et comment dire, l'un des boutons de leur uniforme de prisonnier, en fait c'est une caméra planquée. Et en gros il les laisse vivre en extérieur pour essayer d'apprendre plus sur notamment leur régime alimentaire. Voilà, parce qu'il cherche un levier. Voilà, il cherche un levier pour pouvoir les manipuler. Tout à fait. Et donc, je vais leur donner ce qu'ils préfèrent en bouffe. C'est ça. Et la première chose sur laquelle ils tombent sur la bouffe, parce qu'au final ça se passe. Ça fait 3 jours qu'ils ont rien bouffé. Ça fait 3 jours qu'ils ont rien bouffé et ils sont en pleine montagne et ils tombent sur des rats.
ils ont même pas de quoi faire un feu pour les bouffer. Du coup, ils les bouffent crus et l'alien il pense: oh putain, ils doivent aimer les rats crus, ces enculés. Ah oui, mais ils adorent ça, les rats crus, c'est leur petite passion. Exactement. Bear Grylls, il boit sa pisse, je suis désolé, c'est pas parce que nous Je on boit notre jure. pisse. Et Voilà. pendant tout le reste du film, t'as trois Voltaïques qui essayent Il va lui balancer des les rats humains crus à la gueule. en balançant des rats crevés. Mais les cons, cet humain, il aime pas ce qu'il adore. Ah bah vous, non. Oh, c'est trop con. Oh putain, génial, le plan génial, voilà, j'ai pas d'autre mot. L'intelligence du chef de la sécurité, c'est ça qu'il faut se dire. C'est incroyable. On comprend que Johnny, quand même, il en a dans le slibard et dans c'est la tête ça, aussi, parce ouais. qu'il remarque que les boutons sont étranges et donc il les déconnecte. Ce qui évidemment, ça enrage John Travolta, qui va venir les récupérer. Donc tentative avortée. On en est à la quatrième. Hein, en plus, voilà. en 3 minutes, hein, c'est ah tu détruis mes caméras. 2 secondes plus tard, je suis là. Bah oui, mais bon, ça encore, c'est ce qu'on pouvait s'y attendre de la part du Rachelien qui a voilà quoi. Et c'est pas ça, je pense que Johnny, tu vois, il s'est dit, c'est bizarre, ça fait 3 jours que je me suis échappé. Tu vois, ouais, c'est pas normal, il y a un truc. C'est, non, tu ne peux pas rester échappé plus de 3 jours, Johnny. Normalement, toi, c'est 10 secondes maximum. Mais vraiment, ouais. Je te jure. Mais ça faisait partie du plan, le fait de les laisser s'évader loin, longtemps, pour que justement, ils puissent se dire, ouais, on a réussi à s'évader, faut qu'on fête ça, et du coup, avec quoi est-ce qu'on va fêter ça? Bah avec des rats, et c'est pour ça, s'ils voulaient l'information, qu'est-ce qu'ils bouffent pour fêter ça? Des rats. Ah ouais. Donc du coup, à la seconde où ils ont plus les caméras, bah, ils les ont recalculés. Ah, là, on arrive au cœur du truc, hein. C'est-à-dire que là, ça va être une répétition de trucs à la con, où ils le recapturent, et bah, qu'est-ce qu'il décide de faire, Travolta? Il décide de l'éduquer. Oui, c'est ça. Il lui apprend sa langue avec une machine. Ouais. Avec il lui une apprend machine à savoir. Alors, d'après la avec le d'après avec la le professeur le plus dépressif du monde. Oui, je te jure. Alors, comment pourrait décrire le professeur le plus dépressif oh, du monde? Alors, c'est simple. Merde. C'est un hologramme. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est un hologramme. Bonjour, c'est moi qui je serai votre professeur. C'est moi qui vous apprendre tout ce que les psychos savent. Sachant que les psychos ont fait notre espèce, ont été capturés et exterminés. Donc en fait, ben, je dois être mort et ma race aussi. Donc voilà. Voilà. C'est littéralement ça. Et maintenant, on va apprendre à dire bonjour en psycho. Mais ouais, il y a cette scène de l'hologramme qui dure, je crois, 1 minute. Elle ne sert à rien, mais voilà. Mais non, mais en plus, c'est trop bizarre parce qu'ils les laissent tranquilles, tu vois. Ils sont en mode genre, bon, bah, maintenant, c'est travaux forcés pour tout le monde. Ils se cassent et puis ils les laissent devant la machine. Donc, son pote va le voir et il lui dit, genre, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Il fait, non, je veux en savoir plus. Il faut dur, qu'il bah faut oui. en savoir plus. Et c'est après, il leur apprend. Voilà, le fruit de la connaissance, quoi. Et voilà. Exactement. Et après, ils se retrouvent en prison, là, et ils sont en mode genre, qu'est-ce que c'est donc ça? La trigonométrie, j'ai appris ça. Alors tu vois, ça c'est oui. les triangles, et grâce à ça, on va faire des bombes nucléaires. Littéralement. Alors oui, littéralement, le film, je crois qu'on est sur la dernière demi-heure. Ah non, là on est à la moitié non. là, mec. On est qu'à la moitié, mec. Donc oui, on est quand même parti sur la première base où on a des âmes animaux comme des vaches, hein, qui savent rien faire de leurs 10 doigts quasiment. Et qui, voilà, enfin, qui, à part taper contre des barreaux quand ils sont énervés dans une prison, voilà, on s'arrête à ça, à peu près. Effectivement, du moment où Johnny va apprendre la trigonométrie, on aura une évolution technologique de la part des hommes animaux qui va être incroyable. Là, ils vont tous devenir plus malins et apprendre la langue, en fait, chacun de leur côté. Et mais qu'est-ce ouais, qui va... C'est surtout qu'à ce moment-là, dans la prison, on est vraiment plutôt du côté des autres gars, quoi. Ils regardent ce connard en train de faire ouais, un triangle sur le en sol, train en train de plein dessiner de trucs, des cercles en disant « Regarde, ça c'est la molécule de l'eau oui, !» Et c'est les mecs, ils sont en train de se dire « Mais ça va nous servir à quoi, connard ?» Il parle pas genre de kid ou je sais plus. Enfin, Si. Tout à fait, et le mec il est en mode genre non mais si vous inquiétez pas ça va nous vous servir inquiétez à tout. Pas c'est... exactement et le mec ça même pas ce qui Euclid ouais Euclid t'inquiète. Enfin bon, heureusement, on arrive à la 5e tentative d'évasion, parce qu'en fait, ils parlent tous psycho maintenant, parce qu'il leur apprend, et il essaye de tendre une embuscade. Malheureusement, les armes sont déchargées parce qu'en fait il hack l'endroit où il y a les armes. Mmh. Voilà.
C'est-à-dire que globalement, il devine un code qui devait être probablement, connaissant les psychos, 000. 1, 2, 3, 4, très difficile. Oh putain. Psychlorox. C'est une race supérieure qui a conquis des milliers de planètes. Hein. Voilà. Bah voilà, donc forcément, il doit avoir des problèmes d'érectibilité, c'est sûr. Ouais. Mais il a appris aussi à contrôler les caméras. Alors c'est super important parce qu'en fait, justement, dans la tentative de truc d'évasion ratée, il va quand même l'enregistrer. Ça aura son importance pour après. Et comment est-ce que Johnny se fait punir pour cette tentative par Turl pour s'être encore essayé de s'échapper? Comment Turl va donc... Cinquantième fois. C'est voilà. Ça. Comment est-ce qu'il va le punir, vilain méchant? Ah, il va vraiment le. Alors, est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il va le torturer? Est-ce qu'il va l'enfermer? Il va continuer de lui forcer entre guillemets à faire son projet d'exploitation minière, quoi. Mais cette fois-ci en menaçant de buter sa copine, parce que pour le coup, il l'a trouvé, quoi. Eh bien, avant ça, il y a ce magnifique passage avec la musique. Ah. Avec la convention. Rappelle-le en fait, le mec essaye de s'échapper. Et qu'est-ce qu'il fait Turl? John Travolta arrive et écoute toi, tu vas arrêter de t'échapper. Viens avec moi, je vais t'expliquer deux trois trucs. Et c'est à ce moment-là, donc c'est toute cette deuxième moitié de film que je vais appeler ça l'arc. Viens avec moi 2 minutes, je vais t'expliquer. Oh, putain, je vais t'expliquer des trucs. Parce que globalement, il va se passer ça toutes les 10 minutes. Turl va venir choper Johnny et lui apprendre. Je te jure. Ah, c'est vraiment le passage Turl le grand frère, mais il est délicieux ce moment. Exactement, Turl le grand frère, j'adore, c'est exactement ça. Il va le choper par le callback et il va lui dire, bah voilà. Et là, il va l'amener au Capitole, en fait. Et là, tu vas voir la petite musique avec les trompettes. Tu vois, en mode genre, ça y est, c'est de l'Amérique. Regarde ce que j'ai fait à ton peuple, exactement. De sous-merde. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? T'as un plan penché, évidemment, avec les pères fondateurs dans le fond, en statue. Et l'autre qui lit la déclaration d'indépendance des États-Unis, il fait, et alors, tu vois, ça servira à rien. Et là, le mec se retourne et qui fait, ça va me servir à tout. Tu vas être genre, quoi? C'est le point fort des psychos, c'est la déclaration d'indépendance. Mais je te jure, c'est vraiment les Avengers, mais du futur. On n'a pas réussi à protéger l'Amérique, mais on va la venger, connard. Exactement, et après, c'est la scène se continue, elle donne cette scène, et il fait, bon, maintenant, avec tes petits potes, je vais vous expliquer la vie à tous, on va aller niquer la gueule à des vaches. Ah oui. Cette scène qui... Oh la vache, que se prendre dans la gueule, c'est tellement gratuit. C'est vraiment digne des bouseux américains pour le coup. C'est, eh bien Johnny, je vais t'apprendre à tirer sur des vaches. Mais pourquoi? En gros, il est en mode genre, là, vous pourrez jamais vous échapper parce que je suis super fort au tir et venez avec moi, je vais vous montrer. Donc il y a les vaches, elles sont en train de boucler de l'air. Mais vraiment. Elles se prêtent les coups de laser dans la gueule. À base de un coup de laser et la jambe de la vache qui part. Il vole. Ah oui. Et c'est à ce moment-là, en fait, il va récupérer l'arme et tentative numéro 8, non, 7 de s'échapper. Il va essayer justement de récupérer l'arme. Mais il sait toujours pas s'en servir. Et en fait, après, il se relève et il fait « Non, mais il aurait pu me tuer depuis le début, en fait. C'est bien ça. » Alors qu'en fait, il était à la merci par terre, au milieu des hommes bêtes. Heureusement, il y a un autre vaisseau qui vient le sauver. Et donc, il lui rend l'arme. Et tout le monde est en mode genre « Quoi? Mais pourquoi tu fais ça, Johnny? On pourrait s'évader. » Il fait « Non, je pense qu'on peut s'apporter mutuellement des choses. Il aurait pu nous tuer, de toute façon. » On saura jamais. Et c'est à ce moment-là où ils la menacent, justement. Ils disent « Bah, ça, c'est ta nana, et ça, c'est un collier explosif. Et ça, c'est la télécommande qui permet de faire exploser la tête de ta nana. » Voilà. Voilà. j'espère que notre relation, elle est clairement établie à partir de maintenant, là. Voilà. Exactement. Et juste pour l'exemple, il tue un des gens de la race des blonds. Ouais, il tue un blond. Ah oui, ah. Il tue un blond pour lui montrer oui, que ça il marche. Il tue un blond pour montrer que ça marche. Ou le pire, c'est quoi là? Il lui fait supplier de ne pas tuer le blond, il fait d'accord, et au final, il donne la télécommande à Whittaker, et c'est lui qui tue le blond. Voilà que la fameuse tactique de méchant connard. Il joue bien le méchant. Hein. Ouais, et j'ai un peu raté mon truc parce qu'après, c'est le moment où, tu sais, il récupère les. C'est là où il fait chanter avec la nana. Ah! C'est à ce moment-là où il fait chanter avec la nana. Oui, c'est vrai.
Ouais, mais ce film nous a marqué, nous a atteint psychologiquement, Non, probablement mais de clairement, chute. c'est plus une attaque des chevaliers du Zodiaque qu'un film, ce truc. Hein. Clairement, on s'en souvient pas trop. Hein. Un peu un rêve fiévreux qu'on essaye d'oublier désespérément. C'était qu'il y a 2 jours, hein, vraiment. Bon, enfin, bref. Mais voilà, globalement, la situation, elle est là. T'as Johnny Good Boy, hein, comme Donc tout le monde tient les coups de tout le monde, quoi. Il y a des c'est ça, leviers dans tous voilà. les sens. Johnny Good Boy qui en sait plus qu'il ne veut bien le faire croire, qui a sa nana qui est pris au piège, enfin qui est en otage par John Travolta, voilà quoi, l'alien, et qui du coup est contraint, lui et ses hommes, quoi, d'aller sur un site minier pour pouvoir ramener une certaine cargaison d'or. Oui. Voilà. Et il y a là, c'est une des meilleures scènes. C'est-à-dire que il est en mode genre bon, par contre, faut vous faire pour exploiter la mine, faut vous apprendre à piloter les vaisseaux Oui. spatiaux. Vous commencez Alors, à voir mais vers où ça va là? c'est vu qu'en plus vous serez seul dans la montagne, D'accord. bah apprenez à piloter parce qu'il faut bien que vous Ah, et pilotiez tout seul. la scène Tout à fait. d'apprentissage du La scène pilotage là. Hein. d'apprentissage, je l'aurais remontée avec une scène genre Pochetto de Lemet. Lemet! Parce que vraiment, on est sur cette ambiance-là, clairement. Oh là là, les mecs, ils Surtout sont en qu'ils train sont de tous entre blonds là, ils qui ont la se. scène Voilà, c'est ça. incroyable. Ils se crachent dans les simulations et tout. Mais tu veux apprendre à piloter correctement, bâtard? C'est vraiment que des trucs comme ça, quoi. Non, Oh, dans le trop bien. simulateur, c'est plus tard. Non, Ah ouais? c'est maintenant, c'est Ah non, c'est maintenant. Il maintenant, bah fait non, le c'est là. simulateur et après en fait ils vont à la mine Ah, directement. je confonds le simulateur, pardon. Ah, le Non, c'est le simulateur, simulateur, c'est voilà, magnifique quoi, c'est Nintendo avec. 64, Mais peut-être même moins. clairement. Oui, parce qu'il y a un autre Bah voilà. simulateur à la fin pour que Blague à tout le monde part, doit y apprenne à avoir. piloter. C'est ça, doit y avoir 20 millions qui passent là-dedans, du budget, hein, parce que la scène est tellement. Elle t'arrache la rétine, tellement c'est beau, quoi. Franchement, photoréalisme, c'est magnifique, merveilleux. Ouais. PS2 sur 20, voilà, clairement. Donc ouais. Voilà. Donc du coup, ouais, t'as les mecs qui sont quand même envoyés dans la montagne pour récupérer des filons d'or. Mais Yes. le délai est trop court. Et vu que Eh oui. Johnny est devenu super intelligent et qu'il connaît beaucoup de choses, il connaît un endroit où on peut choper facilement de l'or. Eh oui, et cet endroit, c'est. Fort Knox. Eh Car, oui, tout à fait. évidemment, Là, c'est... le stock d'or de l'État américain. Et voilà. Et donc Hein? l'idée, c'est l'idée de le nouveau plan. Enfin, le plan qui était le plan de base à la base, mais bon, on l'apprend maintenant, quoi. Mais c'est plus le base de C'est base, enfin, ça a changé tout. entre-temps. Voilà, ça a changé. Laisse tomber. Voilà quoi. C'est de faire croire aux méchants aliens que tous les humains sont là pour pouvoir récolter de l'or. Mais en vérité, il va y avoir qu'une partie des humains qui vont rester pour faire semblant de bosser, parce que l'or en question, il a déjà été extrait et il est déjà à Fort Knox, quoi, enfin voilà. Et le reste des humains vont commencer à fomenter la révolution en se renseignant, en récupérant des armes, Ouais, etc., etc. En gros, exactement. c'est comment dire, la résistance qui se forme, quoi. Ouais, grâce notamment à l'arrivée des Irlandais là, ou je sais plus quoi, Yes, les Écossais qui qui sont sortent là. de nulle part quoi. Tout à Voilà. fait. Ils sont là, ils sont en mode Oui. genre, alors on a besoin d'un coup de main, et le mec il fait, oui. Ah, c'est vrai Voilà. que cette C'est-à-dire les tribu. mecs étaient en train d'attendre au-dessus de la mine depuis tout ce temps. Ah, mais cette tribu qui pop comme ça, quoi. C'est. Eh, on est Gratos là. quoi, tu vois. Et c'est même pas, tu vois, c'est pas le temps qui passe, ils vont pas envoyer un émissaire ou un mec comme ça, tu vois. Non, C'est vraiment les mecs vraiment, se posent, il. les aliens se barrent, et là il fait, putain, on n'arrivera jamais avec ces délais Bah à... ouais, Hey, parce salut les que. gars, on est là pour vous aider à respecter les délais. Quoi? Je te jure vraiment, Ok. en plus pile au moment où t'as l'acolyte de Johnny qui est là en train de se dire mais putain mais t'as vu le nombre d'hommes qu'on a, rien que pour faire l'un des objectifs en question, on est en sous-effectif, Il alors nous faudrait au moins, faire je sais les pas, trois. 20 mecs, quoi, qui devraient apparaître sur C'est cette ça. colline. Mais Bonjour, nous genre sommes 20 mecs! maintenant, hein? C'est exactement. Incroyable! Donc est-ce que t'es en train de dire que c'est une facilité scénaristique qui vient de se passer? Mais bien Non, sûr que non! la facilité Erwan, viens scénaristique. avec moi, je vais t'expliquer. Exactement. Erwan, viens avec moi, je vais t'expliquer comment ça va. Non, la facilité scénaristique, c'est. Salut, on va aller dans une bibliothèque. Ah oui, alors normalement, ils sont censés les surveiller aussi. Mais Ouais. apparemment, c'est pas le cas. Bon, Bah parce que le mec lui dit putain. bien, on te surveille, il lui montre un drone, et je sais pas, apparemment, Je crois les qu'il tombe mecs, en panne.
ils peuvent pas géolocaliser leurs avions, étant donné qu'ils voient pas que Johnny se barre avec 10 mecs, et ils vont apprendre les secrets de l'univers, à savoir la base militaire dans laquelle il y aura des avions, des armes, et ils vont apprendre à faire des bombes nucléaires, littéralement, Oui, en une tout à journée. fait. Alors qu'il y a 2 semaines avant, ils apprenaient le théorème de Pythagore, hein, donc Mais on est bon. exactement, bah oui. Et 3 semaines avant, ils savaient même pas faire des arcs et des flèches, quoi. Enfin, c'est. Ouais, On en est c'est-à-dire que là. ce que je trouve ça génial, c'est que quand ils sont dans la base militaire, tu sais, le mec il regarde des schémas, il fait putain, il faut trouver l'appendice 2, il nous faut un appendice 2, tu vois, et ils savent pas ce que c'est. Mais littéralement, le mec est en train de démonter une bombe nucléaire, tu vois. Ah oui, Voilà. mais. Et il est Tout en à mode fait. genre. Genre, donc ils comprennent ce qu'est une bombe nucléaire, il sait comment opérer dessus, mais par contre il est incapable de savoir lire un papier. Enfin bon. Bah, surtout Il que trouve. ce qui est étonnant, c'est que t'as quand même techniquement que Johnny qui a fait la machine du savoir. Ouais. Donc, ok, il a quand Ouais. même transmis du savoir aux autres, mais t'as l'impression que les autres, ils sont quand même en mode, ouais, t'inquiète, on sait ce que tu fais. Ouais, les autres font globalement quand même très confiance à Johnny, parce Oui. que Johnny, il a un plan infaillible, à savoir utiliser le téléporteur pour Oui. envoyer la bombe nucléaire là-bas. Mais ils sont pas assez intelligents pour mettre un minuteur dessus. Donc quelqu'un va Yes. devoir se sacrifier. Tout à fait. Tout à fait. Utiliser la fameuse technologie de téléportage pour pouvoir aller vers la planète des méchants et tout casser, quoi. Le télétransporting, Le incroyable. télétransport. Oui, parce que le Ça, téléportage a faut. plusieurs noms, Ça, hein. je veux vraiment savoir. Est-ce que ça vient du roman? Est-ce que ça vient de la VF canadienne? Ou est-ce que c'était vraiment déjà là dans. Ou c'est le. Comment dire? C'est le film qui fait exprès de faire une faute, quoi. Parce que télétransportage, non, quoi. Je. Non. Mais si, Je veux. Je télétransportage, c'est pas veux. mal. Je veux des explications. Non, le téléportage, non. Non. Téléportation, à la limite, mais voilà, quoi. Je sais pas. Moi, je trouve ça pas mal, je sais pas. Ouais, bon, écoute. Il fait son choqué, ah Hein, voilà, tout de bon. suite. T'étais pas en train de dormir à ce moment-là du film? Non, parce que j'étais en train de regarder justement des hommes animaux apprendre à piloter des avions de chasse grâce à un Ah oui, simulateur de c'est l'armée vrai. américaine. Le simulateur America fucking, c'est Car, ce qui m'a le parti. plus surpris, c'est qu'il y a encore de l'électricité dans cette base 3000 ans après qu'il n'y ait plus personne. Oui, Bah et donc, j'ai même quel pas problème? capté. J'ai même pas capté ça, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'on est plus à ça près, j'ai l'impression. J'ai Ah, l'impression qu'on avait excuse-moi, ça m'a vraiment. choqué, monsieur. Que comment Moi, tu ça. produis de l'électricité s'il n'y a plus rien qui fonctionne? À ce moment-là, j'étais vraiment en mode, oh tiens, un plan droit. D'ailleurs, C'est t'as pris un tout, shot et c'était ton hein. quatrième shot du film. C'est ça que. Vraiment, je te jure. Mais quoi? À un moment du film, comment dire? On abaisse nos attentes à un niveau respectable, à un niveau adéquat. Voilà. Donc, Ah, toi, ton attente, c'est je veux un plan droit. c'est clairement, je Non, veux comprendre ce qui se comment oses-tu passe. demander un plan droit? Pour la peine, tu auras un plan penché de John Travolta qui n'est pas dupe et qui dit genre bon, je sais pas ce que vous avez branlé, mais ça, par contre, c'est des lingots. Je vous ai pas demandé des lingots, mais c'est Oui, la alors moitié dans ça, 7 par jours. contre, ça, C'est même pas vraiment, les j'ai pas lingots que ça a pigé. J'ai vraiment choqué. pas pigé. C'est la pureté de l'or qui l'a choqué plus que les lingots. Ah oui, c'est vrai. Il a C'est comment son vous avez super fait pour appareil. m'emporter de l'or aussi pur? Ouais, son super appareil qui est en mode genre bip boup bip boup bip boup bip, qui est globalement une énorme télécommande. Et après, alors on sait pas comment ça se passe, hein, mais très clairement, c'est un peu la passoire. Johnny, lui, il se re-rend dans la ville au lieu de rester à la mine. Et puis cette fois, il va marchander avec Kerr en fait, parce que il a une bande sur laquelle une bande vidéo sur laquelle Kerr, j'imagine, dit une connerie. Et comment est-ce qu'il fait pour le faire chanter? C'est simple, Kerr lui dit genre sort son flingue et fait genre ah ouais, bah tu vas me la donner en fait. Et lui, ça je trouve ça tellement débile. Il donne la bande dans les cages, c'est-à-dire que aux prisonniers, et les prisonniers se la passent. Ah oui. Et donc Kerr est apparemment un énorme flemmard parce qu'il fait genre ah très bien, bah tu veux marchander, jamais je pourrais rattraper cette bande maintenant qu'elle Bah est oui, c'est clair, maintenant qu'elle dans est les littéralement dans des cages. c'est exactement sur les prisonniers. Qu'est-ce que je pourrais faire à part demander les gardes de fouiller tout le monde?
Non, je peux pas faire ça. Bah non, clairement. Je veux dire, on parle de gardes qui tapotent sur des barreaux là. On peut pas trop demander, quoi. C'est vrai qu'on parle. Oui, mais ça montre le niveau de flemme quand même même des gardes. C'est pour Ouais, qu'il y je ait te une jure. petite émeute et on tape sur les barreaux. C'est voilà. Allez, calmez-vous. Allez, les enfants, on va dormir maintenant. Hein. Ah oui, non mais. Je te jure. Donc voilà, en gros, t'as Johnny Good Boy et la bande qui essayent comment dire, de manipuler non pas John Travolta, mais Forest Whitaker, qui est quand même vachement plus malléable. On va pas se mentir, parce que c'est pas gentil de dire que c'est un gros con. Oui. Ouais. Et c'est pas. Alors que il est franchement sympa. Et pareil, John Travolta aussi, il est vachement sympa aussi. C'est le grand frère Et de je crois que Johnny là. maintenant. Mais il me semble là, on va arriver à la. Où ça va être l'action là. Parce qu'il fait libérer tous les prisonniers. C'est Johnny qui fait libérer tous les prisonniers. Non, c'est juste. Ouais, c'est Johnny, il fait libérer tous les prisonniers justement avec Kerr. Voilà, Oui. avec Kerr. C'est parce qu'il le fait chanter justement, c'est pour ça. Ouais, C'est c'est ça. ça. Il Et le fait Kerr chanter va pour faire libérer chanter les Johnny. prisonniers et pour enlever le collier de sa copine. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc plus personne n'a de collier. Donc blond numéro 7, blond numéro 8 ne mourra pas pour l'instant. Ouais, pour l'instant, Bon, faut ils ont bien sauvé un préciser. blond incroyable. Parce que, hein, pour reprendre l'expression d'un de nos chers confrères, ils sont pas loin de la retraite. Hein. Ah, la retraite pour beaucoup était très proche. Hein. Aïe, 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 aïe. Vraiment. Ouais. Ouais, et là la retraite va arriver pour beaucoup parce que ça y est, c'est la révolte. Hein. Il me semble que c'est là, c'est les 20 dernières minutes où c'est full action, où C'est ça part dans ça. tous les sens, où il y a les avions de chasse qui font du surplace contre des vaisseaux spatiaux. Ça, c'est un peu ce qui m'a choqué le plus. Bah, le pire, c'est que quand même, ils tombent sur une base américaine. Donc, ils apprennent. Donc, au début, ils sont quoi, une vingtaine, je crois, et ils Ouais. apprennent à piloter. Je fais bon, ok, tout va bien, il y a un simulateur, ils apprennent à piloter. Donc, il y a la fameuse évasion de tous les prisonniers. Forcément, il y a encore plus de gens, donc ils apprennent encore plus à piloter. Et effectivement, c'est là où ils disent, bah, faut quand même qu'on aille. On va dire attaquer les cyclos parce que les faire partir de notre planète. Et effectivement, il y a une armada d'avions de chasse. Parce que franchement, ils sont innombrables. Et on parle pas de Ouais. Il y a Clairement quoi? non, hein, parce que le nombre de rôles féminins dans ce film, voilà Se quoi, limite hein. à 4, Tout on à peut les fait. compter. Hein? Il y a les deux cyclos et les deux nanas, dont la copine de Johnny, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Donc ouais, là on arrive quand même sur la scène finale où ils ont leur plan, ils sont préparés, ils ont construit leur bombe nucléaire pour détruire les Psychlos grâce au téléportage. Ah mais c'est beaucoup trop d'action. Je Tout crois. à fait. Ah ouais, ça se Voilà. bastonne. Ah oui, il y a le sacrifice de l'autre là. De Sur le l'Écossais? dôme? De blond numéro 2. Tu sais, parce qu'ils vont péter le dôme en fait pour que Oui, les. voilà, donc sur le Pour dôme, qu'ils c'est étouffent. ça. Ouais, sur le C'est dôme, ouais. ça, parce que le plan en question, c'était de faire en sorte à ce que y ait donc les attaques avec les avions de chasse et tout le bazar, quoi. Mais la finalité de ce plan, c'était de péter le dôme qui sert donc de protection aux Psychlos sur Terre, quoi, et d'utiliser leur technologie de téléportage pour pouvoir balancer une bombe nucléaire dans la base mère, sur la planète, quoi, des Psychlos en question. Sauf que, problème, ils réussissent pas à péter le dôme. Oui, Donc, du coup, ça a l'effet d'un pétard mouillé, hein, le ça. truc. Voilà, on sent que le plan il a été fait à la va-vite, il y aurait eu besoin Un peu d'un plus de temps, ouais. brainstorming, quoi, Il y aurait voilà. besoin du théorème de Thalès, putain, les mecs, ils avaient C'est Pythagore. ça, ils auraient peut-être dû faire un peu moins de triangles sur les murs et un peu plus de préparation stratégique, quoi, enfin voilà, quoi. Du coup, bah, le pit, enfin le dôme, pardon. Pour pouvoir le défoncer, il fonce dessus comme un dératé avec son putain de vaisseau. Et étant donné qu'il a des charges explosives dans le vaisseau, il tire dessus et il se sacrifie pour pouvoir péter le dôme. Sauf qu'il y a un petit problème avec ce plan. Carlo, c'est ça, il s'appelait Un Carlo. tout petit problème avec ce plan. Comment C'est que oui, pendant ce c'est que temps-là, à l'intérieur du en dôme, dessous, il y a la révolte. y a une espèce de révolte façon guérilla. Donc Ouais, le avec dôme, des il leur AK, des tombe un petit machins. peu dans leur gueule, quoi. Vraiment, Et donc il y a des. pour décrire la scène, franchement, c'est le film Les Simpsons. Au moment où ils détruisent le Ouais, dôme, c'est voilà, tout. oui. C'est Bah aussi simple oui, que ça. clairement, c'est C'est. ça. Clairement, c'est que ça, quoi. T'as des énormes bouts de glace qui doivent faire 4 mètres par 4 mètres qui commencent Mais à je te tomber sur la jure, gueule des c'est résistants, en vraiment fait. une pluie de verre et d'acier, quoi, qui tombe sur la gueule de tout le monde, vraiment.
Donc bon, il y avait mieux comme plan, voilà. Ah oui, non mais. T'es en train de dire qu'ils étaient pas malins? Ah bah super, Ah bon, on est carrément en train de dire qu'il est pas malin, oui. hein. Ouais, carrément, ouais. Je pense que personne viendra le défendre là. C'est même pas, on fait semblant. Non, non, c'est un bon débile, Non, c'est tout. clairement, c'est un sacré con, ouais, on peut le dire. Mais du coup, oui, effectivement, le fait qu'ils détruisent le dôme, bah, ça surprend parce que les cyclopes, bah, ils doivent mettre leur petit pince-nez pour respirer. Sauf qu'il là, ils les ont pas équipés, donc c'est la merde. Johnny est en train d'opérer, je crois qu'il tue encore des psychos. Je sais plus trop ce qui se passe, quoi, parce que ça fait En fait, piou-piou un peu dans tous les au sens. moment où Johnny est sur le point d'activer le téléportage pour pouvoir balancer la bombe en question, t'as John Travolta qui n'est pas si dupe, comment dire, qui le surprend et qui interrompt la séance de téléportage in extremis. Ouais. Du coup, pied bouche, bagarre, et au final, il Pied réussit bouche. quand même à le téléportage. Voilà, et Ah du coup c'est blond oui. numéro 7 qui se 7 qui retrouve se voilà, sur la planète en obligé à se question. sacrifier, ouais. Voilà, avec un éclairage bleu ou violet, je sais plus. Violet, violet. Un éclairage violet dégueulasse au milieu de la planète, et il enclenche la bombe et pouf, a plus la planète. C'est vrai que l'éclairage, enfin, j'en avais pas parlé au début, mais il est très important. Non, Oui, parce que dans le dôme, c'est bleu. c'est le directeur photo, si tu veux, qui, je pense, a dû justifier son salaire. Car Clairement. justement, pour spécifier qu'on est sur la partie terrienne, on va dire, c'était des couleurs assez vertes. Et dès qu'on était sur la partie cyclo, c'était des couleurs assez bleutées. C'est ça. Voilà, c'est en fait le directeur Voilà. photo a juste fait ça. C'est pour ça qu'on est soit en couleur verte ou en couleur bleue. C'est tout. C'est ça, voilà. Dès qu'on est sur Terre, sous le dôme, c'est bleu, Ah globalement. ouais. C'est bleu, 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 hein, C'est pour vraiment. bien te montrer que c'est l'atmosphère cyclo, quoi. C'est tout. Voilà. Au cas où. Exactement. Eh ouais. Et là, on arrive sur le dénouement du film, C'est parce que ça. c'est la baston finale entre les deux, Kung Fu, etc. Et comme il est super intelligent, il arrive à lui mettre un collier autour de Du son bras. bras, donc qui tient le flingue de John Travolta. Et John Travolta menace de faire exploser tous les colliers. Et donc lui, il fait, tu devrais pas faire ça. Et lui, il fait, ah ouais, je vais me gêner. Et paf, plus de bras. Voilà. Aussi simple que ça. Du coup, vachement moins de chocolat, John Travolta. Ouais. Avec un bras, quoi, c'est un peu Voilà. pénible. Donc il s'est auto-pété le bras. Je sais pas comment le dire autrement. C'est totalement débile. Donc voilà, plus de bras pour John Travolta. Et du coup, la planète des psychos qui se fait défoncer. Les Voilà. psychos qui se font exterminer, ceux qui sont restés sur Terre. C'est à Denver que ça se passe. Alors, C'est à oui, ouais, Denver. c'est à Denver. Voilà. Donc les psychos qui restent à Denver se font quasiment tous exterminer. Et John Travolta se fait emprisonner. Exactement, et avec Kerr justement qui est du côté maintenant de la révolte Oui. justement et qui va aider à la négociation. On apprend dans le dialogue de fin où c'est en mode genre bah écoute je te garde en vie parce que comme ça je pourrais filer de l'or aux Psychos et ils nous laisseront tranquille et voilà et on pourra exploiter tranquille et puis on vivra tranquillement et Kerr fera l'intermédiaire quoi globalement. Oui, c'est ça, Voilà. c'est un échange de bons procédés, on va Tout dire. à fait, tout à fait. Mais bon, ils Donc, ont quand même un peu détruit une planète psycho, donc il va falloir justifier ça dans la suite qui ne verra jamais le bah jour. voilà, il a mal négocié son créneau, il est passé à côté d'un soleil, voilà, ça arrive. Je sais pas qu'est-ce que je te dise, moi. Je sais pas, je sais pas. Concrètement, après, si jamais ça vous intéresse, vous avez le résumé de la totalité des parties. Donc là, comme je le disais, on est à la fin de la partie 12. Donc le psycho qui est enfermé, les terriens qui repeuplent petit à petit la planète, etc. C'est la fin de la partie 12 du bouquin. Bah, vous avez les résumés de toutes les autres parties, hein, jusqu'à la partie 32. Et tout Ouais, ça bah c'est c'est intéressant ça, disponible, faudra que tu me voilà files quoi. le lien. Bah, c'est sur comment dire, c'est sur Wikipédia. Ok, bon ça c'est Voilà. bien. Voilà, donc Wikipédia, Battlefield Earth, Terre champ de bataille, hein, faut Terre pas champ de hésiter. bataille, tout à fait. En conclusion, ce petit film-là, est-ce qu'il est rare? Non, pas vraiment. Vous pouvez Non. le trouver assez facilement. Évidemment, si vous avez les bonnes adresses, par exemple si vous connaissez des gens
qui font des podcasts sur les nanars et que vous avez besoin du lien en HD et en multilingue, etc., n'hésitez pas, hein, si jamais vous connaissez ce genre de personnes, c'est possible qu'il l'ait sur leur disque dur. Sinon, vous pouvez tout à fait le louer. Peu probable, on est d'accord. Le louer partout, même si faut bien comprendre que ça... file de la thune aux scientologues. Oui, c'est le risque. Voilà. C'est si vous il louez, a été vous pendant à scientologue. Voilà, il a été pendant un moment gratos sur Prime Video, là faut le louer. Il a été pendant un moment sur Netflix, mais là pareil, il ne l'est plus. Donc bon, vous pouvez guetter, ça se trouve, il est sur une plateforme de VOD. Vous pouvez regarder sur The Choice, Just Watch. Sinon, vous envoyez un petit message. Voilà, j'imagine qu'il y aura une bonne âme pour vous le, on va dire, partager quoi. Oui, partagera avec un immense plaisir. Exactement, il vous enverra le DVD par la poste, évidemment. Tout à fait. Entre amis, on a le droit de se prêter les DVD par la poste. Exactement. Voilà, yeah. si vous avez ma chance, vous recevrez le magnifique catalogue de la Scientologie, l'église de Scientologie, dans lequel vous pouvez commander l'intégralité des œuvres de L. Ron Hubbard, ainsi que le fameux appareil, là, l'électromètre là, qui mesure votre niveau de tétan. Là. Bah ça, ça coûte combien? Alors, l'électromètre marque. Alors, oui, faut savoir. Alors, il faut savoir que ce qu'il est en train de dire là est réel, à savoir qu'il a entre les mains un catalogue. Parce que la personne qui habitait à l'endroit où il habitait avant, il reçoit toujours son courrier et c'était des scientologues. C'est pas magnifique ça? Ah non, c'est franchement. Il y a une thématique incroyable. Et après, vous me parlez d'un super crossover. Après, vous parlez de son super crossover, c'est Avengers. Non, non, je crois que c'est Zacharia. Et la scientologie, ça, c'est bien. C'est un truc, on me l'aurait dit, je l'aurais cru, quoi. C'est la petite vieille qui m'a vendu ma baraque, adorable. À mon avis, étant donné qu'elle a jamais changé d'adresse et que je continue de recevoir le truc, à mon avis, elle s'est fait entuber, hein. Je sais pas quoi dire. Ah bon? C'est bizarre. C'est que voilà, c'était pas une scientologue convaincue, c'est là où je veux en venir. C'est que je n'ai pas serré la main d'un être reptilien ou quoi, bon bref. Mais ouais, là, pour le coup, le catalogue, je l'ai reçu à Noël dernier. Et l'électromètre marque Ultra V3 en argent, 5 250 $. Oh putain. Voilà. Le truc avec les poignets là. Oui, oui. Basiquement le truc, tu mets tes mains sur voilà sur les poignets, etc. Il y a une espèce de comment dire d'aiguille qui bouge, etc. Et qui te donne un certain niveau de merde là et voilà. Et le pire c'est que le catalogue. Attends, je suis en train de regarder à quoi ça ressemble sur actuellement Google. Le truc, c'est que le catalogue, il ose te dire un truc aussi. Bah, pour les fêtes, profitez-en, prenez-en deux. Je te jure, c'est surréaliste. C'est incroyable. Plus, bah oui, ça, plus voilà, la collection intégrale des livres audio, parce que voilà, il a fait des livres audio, il a fait des conférences, il a fait des romans, voilà, de L. Ron Hubbard. Voilà, le tarif des fêtes, 3 750 € pour 19 livres. 19 livres reliés, 14 séries de conférences, soit 284 conférences en tout. Ça fait beaucoup de conférences. Ouais. Je sais ça pas c'est quoi. Énormément voilà. D'argent. Ça, voilà, quoi. D'accord. Plein tarif 5 090 et tarif des fêtes 3 750. Donc profitez-en. Hein, j'ai envie ah, il y a une bonne réduction, j'avoue, pour l'hiver. Incroyable. Franchement, on hésitait entre les voyages aux Caraïbes et l'encyclopédie de bah après, si jamais vous voulez que les livres audio, c'est que 400 $. Franchement, 400 $, c'est quoi dans une vie, hein? C'est... Oh putain. Donc voilà, oui, si vous voulez... Et oui, et bon, j'ai fouillé très très vite fait en préparant cet enregistrement, et il n'y a pas Terre Champ de Bataille dans les bouquins en question qui sont proposés. C'est-à-dire que Terre Champ de Bataille, c'est considéré comme du divertissement. C'est pas un vrai truc fondateur canon, de la scientologie. Exactement, c'est pas dans le canon de la scientologie. Apparemment, en tout cas. C'est incroyable, parce que bon, c'est quand même une de leurs plus grosses œuvres, on va dire, mais non. Bah, exactement, c'est le truc le plus connu qui est lié très étroitement à la scientologie. Mais techniquement, c'est pas un truc. Tu vois, c'est pas comme les films qui sont produits par l'église chrétienne aux États-Unis, tu vois. Genre littéralement produits par eux. Oui. C'est pas aussi premier degré, quoi. Aussi, voilà, quoi. Et tu le conseillerais au final, ce petit nanar là? Déjà, est-ce que c'est un nanar? Ouais, clairement. Oui. Clairement. Et est-ce que tu le conseillerais? Est-ce que je le conseillerais? Je vous laisse répondre d'abord, comme ça ça me laisse un peu de temps pour y réfléchir. Alors moi c'est un nanar. Est-ce que tu regrettes de l'avoir choisi déjà pour la SF? Alors franchement, je voulais un nanar SF. Non, franchement je regrette pas parce que
Comme dirait un grand homme, je m'attendais à rien et je ne suis pas trop déçu. C'est pas mal ça. Non mais bon réellement parce que... De quoi ? C'est un bon compliment pour ce film. Ah oui, non mais en vrai c'était là en mode, bon, je sais qu'il y avait John Travolta, surtout que déjà dans les années 2000, sa carrière était déjà très compliquée. Donc je me suis dit, bon alors on va voir ce que ça donne, fais pareil scientologue avec des scientologues, tu dis, ça sent bon le film... Tu sais pas où est-ce que ça va aller, mais ils vont aller dans des sens que personne ne va comprendre. C'est surtout ça aussi. Surtout que derrière, j'ai vu qu'effectivement, même le scénariste, il a dit « J'ai écrit un truc qui était assez sombre, assez réaliste, on m'a envoyé chier. » Je fais « Bon, ok. » Donc déjà, tu sais que tu pars sur une base assez saine, où les mecs, ils ont une trame et qu'ils ne vont pas la suivre. Donc tu te dis « ça sent bon le truc. » Puis après, même les effets derrière de décors, de costumes, même s'ils font un peu kitsch, ils sont quand même assez sympas. Donc on est quand même sur un petit nanar de qualité, on va pas se mentir, qui est vraiment assez sympa, sur lequel, ouais, effectivement, je le conseillerais. Bon, les gens me détesteraient, mais je le conseillerais. Ouais, moi je le conseille aussi. Par contre, vous pouvez clairement arrêter le film à globalement une heure et demie, un truc comme ça, lorsque la bataille finale commence. Parce que moi je me rappelle que je m'étais carrément endormi quand on avait fait La Nuit Nanar, où on l'avait vu avec Rémi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la fin, et là pareil, hein, je me rappelais absolument de rien. J'ai regardé vite fait la fin en x9. et pff, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, quoi. Juste ça pète partout et à la fin il est capturé. Il y a 30 minutes de trop, donc c'est la fin. Et c'est bien dommage, quoi. Mais vraiment, tout le reste du film est plutôt bien équilibré, quoi. Et donc ouais, je le conseille. Juste, voilà, sur la fin, si vous faites chier, hein, n'hésitez pas à couper. Tout simplement. D'accord, et toi, du coup, mon cher Zach ? Bah ouais, globalement d'accord. On va dire, bah oui, c'est clairement un nanar, évidemment. Niveau rien que pour le plan penché, quoi. Bah rien que, voilà, rien que pour la partie technique, j'ai envie de dire, ça fait nanar, c'est indéniable, quoi. Pour la réalisation globale, on est vraiment plus proche d'un épisode de Xena que d'un vrai film de science-fiction d'anticipation avec un message et tout le bazar, quoi. Ouais. Donc bon, clairement, voilà. Après, moi, c'est sur la partie qui nous intéresse, parce qu'on va pas se mentir, la raison pour laquelle on connaît ce film, c'est la scientologie. Ouais. Donc pour le côté... Jésus, scientologue, etc. Bon, bah, vous, juste, voilà, vous n'ayez pas trop d'attentes vis-à-vis de ça. C'est un film complètement débile, de science-fiction mal branlé, avec des pistolets qui ressemblent à des bites tordues. Mais voilà, quoi. Vous attendez pas à avoir le mythe fondateur de la scientologie, parce que vous allez être déçus. Mais sinon, globalement, oui, c'est un film à voir, quoi. D'accord. Alors, je viens de voir un truc, une anecdote à la con. Je suis désolé, peut-être j'aurais dû le dire au début, mais je viens de la capter que maintenant. Ouais. Les effets Star Wars. Oui. Ouais. Voilà, en fait, le réalisateur, si tu veux, c'est Roger Christian. Les effets Star Wars, parce qu'en fait, ce Roger Christian était le réalisateur de la deuxième équipe sur Star Wars épisode 1, la même. Eh bah voilà. Bah voilà, il n'y a pas de mystère dans la vie. Hein. Le monde est lié, bordel. Crossover. Tout est lié. Tout est lié. Voilà. Donc t'es en train de dire que Jar Jar Binks, c'est un psycho, c'est ça, quoi. Non, ça. La scientologie m'interdit de le dire. Allez, George Lucas va encore nous foutre un procès dans le cul. Non, il n'y a pas que ça. Donc bon, voilà, vous pouvez regarder ce film et y aller tranquillement. Je pense que vous ne serez pas déçus, quoi. Yes. Ah, oui. Après, faudra corréler l'avis du grand absent de cet enregistrement, hein, Rémi, savoir ce qu'il en a peut-être, pensé. Peut-être qu'il vous dira sur les réseaux, voilà, n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur Twitter, @nanarologie, et puis je pense qu'on peut s'arrêter là. Yes, voilà. Totalement. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud et Podcast Addict, n'hésitez pas à nous suivre justement pour ça, et on se retrouvera très bientôt et très probablement en compagnie de Rémi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Salut à vous et salut les copains. Ciao. Ciao.